Je vous propose, s'il vous plaît, de regagner vos places pour permettre à Luan Denez de procéder à l'appel. Bonjour à toutes et tous, mes chers collègues. Je vais procéder à l'appel. Abadi, Florence. Billard, Isabelle. Billard, Armel. Bohan, Jean-François. Bourgeot, Jean-Luc. Bouton, Cécile. Breteau, Pierre. Brun, Elisabeth. Chenu, Jean-Luc. Coulombelle, Ludovic. Courtet, Yann-Françoise. Courtinier, Isabelle. De Gouvion, Sassy, Rémar. Delaunay, Bernard. Duguay-Pérou, Honoré, Béatrice. Fayet, Charlotte. Ferret, Jeanne. Guéret, Sébastien. Guiblin, Aline. Guidoni, Jean-Paul. Présent. Hervé, Marc. Houillot, Jonathan. Comocoli, Régine. Lapose, Paul. Larue, Jeanne. Le Frêne, Marion. Le Guénec, Jean-Michel. Le Moelle, Marcel. Le Mon, Chirel. L'Enfant, Stéphane. Mingégral, Anne. Marchand, Dénès. Martin, Frédéric. Martins, Christophe. Mercier, Laurence. Mestri, Gaël. Morazin, Roger. Maurice, Marie-Christine. Motel, Michel. Potrel, Louis. Perrin, Nicolas. Pichot, Franck. Quillan, Sylvie. Roche, Céline. Roger Moigneux, Caroline. Rousset, Emmanuel. Roux, Laurence. Salio, Leslie. Salmon, Arnaud. Soyer, Benoît. Sorieux, Christian. Présent. Sous la baille, Yann. Toutant, Agnès. Merci. Je vous adresse aussi les regrets de notre collègue Anne-Françoise Courtaille qui est arrêtée pour quelques jours. Et on lui souhaite un rétablissement aussi rapide que possible. Alors, cette seconde partie de session commence traditionnellement par les réponses à apporter aux questions écrites qui m'ont été transmises. Je viens d'avoir un échange avec Pierre Breteau et nous avons convenu qu'il pouvait être fastidieux de faire la reprise intégrale des questions, d'autant plus que ces questions émanant de son groupe, vous les avez tous eues et qu'elles seront transmises, et qu'on va plutôt se concentrer sur la réponse, parce que sinon ça peut être un petit peu fastidieux dans certains cas. Alors, la première question d'ailleurs émanait de M. Breteau sur le programme Mobilité 2025 au Conseil départemental. D'ailleurs, après avoir malicieusement observé entre collectivités dont les majorités en place possèdent des liens politiques qu'on peut difficilement dissimuler. Bon, je crois que chacun en conviendra et que la dissimulation n'était sans doute pas l'objectif premier. Allez-vous faire preuve de cohérence en travaillant à l'harmonisation de vos recommandations avec les équipements déjà en place pour donner une meilleure visibilité des voies cyclables dans certaines zones du département ? Alors, des éléments de réponse. Voté par l'Assemblée départementale en février 2022, le référentiel technique constitue un guide de recommandations et principes techniques que le département souhaite appliquer pour la réalisation hors agglomération, je le précise, d'infrastructures cyclables à haut niveau de service dont il assure la maîtrise d'ouvrage. Ce référentiel a pour objectif d'assurer la cohérence des aménagements sur le territoire départemental et est conforme aux recommandations du CRMA, préalable indispensable à toute candidature pour participer aux appels à projets portés par l'État. En ce qui concerne la couleur, le département a retenu un enrobé rouge, enrobé classique additionné d'oxyde de fer pour son réseau. D'une part, pour des raisons pratiques de disponibilité de ce type de produit, d'autre part, parce que cette couleur moins habituelle permet de signaler aux autres usagers que la voirie piéton automobiliste, la présence d'une piste cyclable susceptible d'accueillir des vélos à assistance électrique circulant à une vitesse potentiellement importante de 25 à 30 km/h. D'autres collectivités peuvent prévoir un revêtement de couleurs différentes, par exemple un enrobé beige ocre lorsque des conflits d'usage sont possibles, proximité de voirie ou présence de piétons.
Ces principes sont proches et ne remettent pas en cause la lisibilité et l'harmonisation de ces équipements pour les usagers à venir que nous souhaitons tous être très nombreux. Il est important de souligner que ce niveau de service est adapté aux sections à fort potentiel de trafic cyclable, mais ne se justifie pas pour la majorité des liaisons cyclables à aménager sur notre territoire. Les collectivités pourront donc, dans la plupart des cas, adapter et optimiser les infrastructures existantes, limitant ainsi les impacts fonciers, environnementaux et financiers. Il est important de prendre la mesure du fait que, comme pour toutes les infrastructures routières, la typologie des aménagements cyclables sera différente selon ce que l'on souhaite, que l'on souhaite développer un réseau secondaire, principal ou à haut niveau de service pouvant être assimilé à des autoroutes pour vélos. Ce maillage sera clarifié dans les PAC des mobilités locales qui seront contractualisés à l'échelle de chaque EPCI pour construire, co-construire des mobilités intelligentes, pratiques et sûres pour l'usager. Il s'agira ainsi d'aménager dans la cohérence un réseau cyclable maillé, hiérarchisé et continu, permettant la desserte des principaux pôles générateurs de mobilité du territoire, services publics, zones d'activité, pôles intermodaux, établissements scolaires. Donc voilà pour cette première question. Donc tous les éléments de réponse, bien sûr, seront remis à la totalité des conseillers départementaux. La question suivante était portée par Madame Salio sur l'augmentation du prix de l'énergie et ses répercussions pour les Brétiliens et les Brétiliennes. Quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour aider à la fois nos collèges, nos EHPAD et les personnes les plus fragiles dans la situation actuelle? Envisagez-vous une modification des seuils d'attribution des aides pour inclure les personnes fragiles non éligibles actuellement? Comment comptez-vous anticiper de nouvelles vagues d'augmentation potentielle et protéger durablement nos concitoyens et nos aînés? Alors, différents éléments de réponse. Pour ce qui concerne les aides apportées aux particuliers, il convient de rappeler que lors de la session du quatrième trimestre 2021, l'Assemblée départementale à revaloriser de manière très substantielle le plafond de ressources de référence pour bénéficier du fonds de solidarité logement-maintien. Il est désormais passé à 2063 euros mensuels à 1594 euros mensuels et 2391 pour un couple ou ménage avec deux personnes à charge. Par ailleurs, le dispositif de traitement des demandes a été assoupli dans la mesure où la CAF traite directement les demandes d'aide pour les fluides à hauteur de 1 000 euros par an concernant les établissements médico-sociaux accueillant les personnes âgées et les personnes handicapées. Ils sont effectivement confrontés à une progression importante de leurs dépenses en fournitures non stockées, électricité, gaz, fuel, carburant. Ces charges représentent en moyenne 25% de leur budget. Ces progressions seront bien évidemment intégrées dans la réflexion qui va être conduite à la rentrée, comme on le fait à chaque année, pour déterminer le taux directeur de reconduction des moyens à mettre en œuvre pour l'année 2023, ainsi que le montant des plafonds des tarifs qui seront appliqués. Ils vous seront proposés lors de la session de novembre 2022, sachant que dans l'immédiat, les établissements ont pour la plupart des réserves de compensation qui, dans cette attente, et elles servent aussi à ça, et je rappelle que les réserves ont aussi été constituées grâce au soutien du conseil départemental, leur permettent de faire face à leurs dépenses. Concernant les établissements publics locaux d'enseignement payant directement leurs factures dès lors qu'ils sont chauffés au fioul, au gaz non urbain ou par un réseau de chaleur urbain, des crédits complémentaires sont déjà proposés par décision modificative afin de soutenir de manière exceptionnelle ces collèges. Au total, une quinzaine de collèges sont ainsi susceptibles de bénéficier de crédits supplémentaires. Pour les autres, le marché départemental que nous porterons et qui nous impactera de plein fouet fera face à ces dépenses, mais là, ce sera par contribution directe du conseil départemental. Je rappelle que nous avons eu la chance de bénéficier jusqu'à cette année des contrats négociés dans les meilleures conditions possibles, mais que toutes les perspectives de relance de cette consultation montrent qu'on sera avec un impact extrêmement lourd. On peut évaluer à 10 millions d'euros par an l'hypothèse minimale de revalorisation de notre facturation énergétique à l'échelle départementale. Alors, devenir des bâtiments de la préfecture, une question posée par Monsieur Potrel. Donc, je résume les termes. Le comité de pilotage projet Borgard a-t-il été consulté pour l'aménagement à court terme des bâtiments avec le départ de l'État? La SPL a-t-elle fait des propositions d'aménagement des sites de Borgard, QCI et Gaston Defferre? Alors, les services de la préfecture vont nous quitter, Monsieur le Préfet l'a confirmé hier, le 17 septembre prochain.
et donc des bâtiments qu'ils occupaient depuis le milieu des années 70. Ce départ va libérer 6 500 m² de surface jusque-là mise à disposition de l'État, constituant de fait une opportunité pour le département dans sa stratégie immobilière. En effet, ceci permettra de repositionner sur un site unique les équipes départementales actuellement disséminées sur le site de Borgard, bâtiment QCIE 1, 2, Gaston Defer, site de la maîtrise, là où on a notre direction des services informatiques, l'immeuble Acropole, donc de l'autre côté, notamment direction Enfance-Jeunesse, dans de nouveaux locaux modernes, évolutifs, adaptés aux nouveaux modes d'organisation du travail de l'exécutif départemental et de son administration. L'objectif sera aussi de garder un témoignage de l'histoire de la décentralisation et de l'architecture des années 1970, tout en rendant plus visible et en incarnant de meilleure manière la collectivité départementale. Le site sera enfin ouvert sur le quartier et sur la ville afin de mieux accueillir les publics, tout en mettant en cohérence les surfaces de travail. Le département s'oriente donc vers une réduction massive de son emprise foncière sur les 13 hectares du site de Borgard, par densification bien sûr de bâtiments, cette démarche permettant des possibilités d'optimisation foncière et de valorisation financière destinées à alléger les investissements nécessaires, tout en accompagnant dans une logique de pleine collaboration avec la ville de Rennes et la métropole les mutations urbaines à l'échelle du quartier, notamment en matière de mobilité et d'habitat, sachant qu'il y a sur ce site de Borgard un projet de transport à haut débit et à haut niveau de service. Le maintien d'un poumon vert en cœur d'îlot sur l'emprise du parc actuel est une composante forte de l'aménagement à concevoir qui pourra donner lieu à un espace naturel urbain sensible, accessible au plus grand nombre. Plusieurs phases, bien sûr, sont prévues et c'est une opération, je ne cacherai pas, de très longue ampleur et en milieu occupé, donc 4 à 5 années d'évolution, de transformation. Pour la fin 2022, début 2023, arrivée sur le site de Borgard d'équipes départementales aujourd'hui disséminées sur le territoire de la ville de Rennes, notamment en direction des services numériques, direction de l'éducation jeunesse, ce qui générera des économies liées à ces locations d'environ 700 000 euros par an, donc de dépenses de fonctionnement que nous n'aurons plus en charge. Relocalisation des services direction épaule sur les bâtiments disponibles en profitant notamment du bâtiment C, donc c'est le bâtiment principal de la préfecture, là où se faisaient jadis les plus grandes parties des services d'accueil au public. À partir de 2023 et jusqu'en 2028, projet de construction d'un nouveau bâtiment dans la partie sud-est du site de Borgard, afin de former un ensemble immobilier cohérent avec les bâtiments A et B, et nous sommes dans le bâtiment B ici. Le bâtiment A, c'est celui qui fait la jonction entre les deux pôles actuellement occupés par les bureaux, notamment du préfet. Des rencontres sont prévues très prochainement avec la ville de Rennes et Rennes Métropole pour discuter de ces sujets et notamment des caractéristiques liées au PLUI qui s'imposera bien sûr au département dans le cadre de la gestion du droit des sols. La SPL assiste le département dans la recherche d'un scénario optimal d'occupation du site. Concernant plus particulièrement l'occupation provisoire du bâtiment C, donc celui qui est juste à côté, les quelques études nécessaires, principalement techniques, sur les courants forts, les courants faibles, la sécurité du site, n'ont pas encore démarré. Elles le seront à partir du mois de juillet, ce qui nous permettra de disposer d'éléments factuels pour la mi-septembre. Vous le savez, la multiplicité des alertes d'évacuation qu'on a eues très souvent sont toujours liées à des dysfonctionnements d'une installation électrique globalement vétuste, et ce sera un premier point à traiter. Dans le mode de projet spécifique qui vient d'être proposé pour ces aménagements transitoires, le comité de pilotage élu, identique à celui du projet définitif, donc M. Breteau, Mme Bouton, M. Dénès, Mme Fayet, M. Gouvion-Saint-Cyr, M. Hervé, Mme Lefrène, M. Pichot, Mme Roux, est bien identifié comme devant être sollicité à la rentrée pour donner une lecture transparente de cette opportunité, de ses contraintes et de son articulation stratégique avec le projet futur. Si cette occupation transitoire n'aura pas vocation à remettre à niveau sur les questions énergétiques les bâtiments, parce que ce sera une opération de fonds ultérieure, les réservant pour le projet définitif, elle vise malgré tout à limiter les locations, les 700 000 euros dont je vous parlais, à préfigurer les besoins à venir pour mieux les calibrer.
En cela, elle constitue une étape significative vers plus d'efficience. Les besoins en locaux des conseillers départementaux et des groupes, notamment, seront pris en compte dans ce périmètre de réflexion, tout comme ceux des services dans cette perspective après, à terme, 2023-2028. Et donc, dans la réponse qui vous sera transmise, il y a également un petit plan de situation qui vous permettra de bien identifier ce qu'on appelle les bâtiments de A jusqu'à G. Quatrième question relative au transport scolaire des collégiens. Donc, elle est posée au nom du groupe Union de la droite et du centre. Avez-vous dès à présent prévu de travailler conjointement avec les services de la région Bretagne afin qu'aucun collégien ne soit privé de cours en raison de l'absence ou de dysfonctionnement des transports scolaires? Bon, là, on est plus sur une question un petit peu de principes fondamentaux de partage et d'exercice de compétences. La loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe, portant nouvelle organisation territoriale de la République, a transféré aux régions la compétence historiquement exercée par les départements en matière de transport non urbain, à l'exception du transport adapté, qui demeure une compétence du département transport adapté, donc pour les personnes en situation de handicap et scolarisées. Depuis le 1er septembre 2017, la région Bretagne assure le transport des collégiens uniquement sur une partie du territoire brétilien. En effet, sur les territoires des agglomérations, cette compétence est assurée par les établissements publics de coopération intercommunale comme Rennes Métropole, Vitré Communauté, Fougères Agglomération, Saint-Malo Agglomération et Redon Agglomération. La région Bretagne organise le service qui concerne près de 32 000 scolaires transportés pour la partie Ille-et-Vilaine sur 570 circuits. Le département travaille étroitement avec la région et notamment à l'occasion de chaque changement de sectorisation afin que les circuits soient adaptés au moment de la rentrée scolaire. S'agissant d'une compétence exclusive de la région, la gestion et l'organisation de ce service public relèvent strictement de cette collectivité. Envisager qu'une autre collectivité vienne en soutien d'une autre pour exercer une compétence qui lui appartient à titre régalien compromettrait les principes élémentaires de bonne gestion et de compréhension de l'action publique. Il convient de souligner que même si on n'exerce plus la dépense, la compétence, on la finance. Je rappelle que lors du transfert de la compétence transport scolaire à la région, une compensation intégrale du coût du service a été actée après expertise par la commission locale d'évaluation des charges transférées, assentiment des deux collectivités et validation par la Chambre régionale des comptes. Ceci représente pour nous un prélèvement de 31 500 000 euros chaque année sur la CVAE départementale qui est directement donc transférée à la région pour qu'elle exerce cette compétence. Puis je donnerai juste un complément d'illustration. En 2020, nous avons eu 14 millions de dépenses RSA en plus. Nous sommes tournés vers personne pour faire face à cette explosion de dépenses qui relèvent de nos responsabilités propres et que, dont nous avons donc assuré la couverture intégrale. Que diffuser, je me tourne vers le service de l'Assemblée selon les modalités les plus appropriées, la totalité des éléments, questions et réponses. Alors, nous reprenons le cours des délibérations d'hier et nous étions arrivés au rapport de Mme Roux qui avait présenté le rapport le plus structurant, mais il lui en restait deux. Le premier porte sur la mise à jour du règlement du temps de travail. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc, ce rapport concerne le dispositif de retenue sur salaire pour les agents du département qui sont titulaires d'un mandat local. Actuellement, le CGCT prévoit deux types d'absences, soit les autorisations d'absence pour assister à des instances pour lesquelles l'agent est convoqué. Dans ce cadre-là, la collectivité a le choix ou non de rémunérer l'agent sur ses absences. Le choix actuel du département est de ne rémunérer que si l'agent ne touche pas d'indemnité pour l'exécution de son mandat. La deuxième partie, c'est le crédit d'heure pour préparer les réunions et le congé de formation. Donc là, de toute manière, il n'y a pas de maintien de rémunération. Celle-ci est interdite par le CGCT. Pour favoriser l'engagement citoyen de nos agents, nous vous proposons qu'il n'y ait plus de retenue sur salaire sur les autorisations d'absence pour les instances auxquelles participent nos agents.
Merci, Madame Roux. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur cette proposition? C'est une faculté, mais par contre, si on veut le faire, il faut que ce soit délibéré pour donner une base légale. Pas de demande d'intervention. Je mets donc ce rapport aux voix. Y a-t-il des personnes qui ne prennent pas part au vote, qui s'abstiennent, qui votent contre? Bon, unanimité, je crois que ça s'inscrit dans une stratégie globale d'encouragement de la citoyenneté. À un moment où on le voit, c'est plus que nécessaire. Le rapport suivant, Madame Brooks également, mise à jour du règlement du temps de travail, adaptation de la charte informatique annexée au règlement. Voilà, nous avons une nouvelle charte informatique qui a été mise à jour. Celle-ci est conçue de manière plus positive et incitative. Donc, elle est axée sur les droits et devoirs plutôt que sur les sanctions et interdictions. Et elle s'accompagne par la création d'un guide de bonnes pratiques, très pédagogique également, qui délivre des conseils du quotidien à nos agents. Donc, il est proposé d'adopter ces deux éléments qui viennent accompagner la question du règlement du temps de travail. Et de la charte informatique, pardon. Merci. Là aussi, il faut que les choses dans une charte soient très précisément dites pour pouvoir être opposables. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ou de précision? S'il n'y en a pas, je mets le rapport aux voix. Y a-t-il des personnes qui ne prennent pas part au vote, s'abstiennent, votent contre? Donc, unanimité, merci. Bon, donc, Madame Larue, en sa qualité de vice-présidente de la commission numéro 2, va suppléer à notre collègue Anne-Françoise Courtaille-Empêché pour présenter le point en matière de protection de l'enfance sur un certain nombre d'évolutions législatives. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ce rapport vous est présenté dans un contexte général, national et même international, d'une aggravation de l'état de santé mentale de notre jeunesse. Dans son rapport de juin 2022, la Défenseure des enfants a alerté la Première ministre sur des chiffres alarmants, sur une augmentation des passages aux urgences pour gestes suicidaires, idées suicidaires et troubles de l'humeur chez les 15-24 ans. Et les mesures qui vous sont présentées dans ce rapport découle certes de notre responsabilité de protection de l'enfance qui nous est imposée par l'article 375 du Code civil, mais aussi par la prise en compte par les élus de cette Assemblée de cette urgence de protection de la jeunesse. Certaines de ces mesures sont inhérentes à l'application de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. Vous savez que cette loi a été adoptée en prenant en compte les témoignages d'anciens enfants placés et qui vient compléter la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance 2020-2022. L'Ille-et-Vilaine était un des 30 premiers départements à entrer dans cette contractualisation. Il y a donc dans ce rapport des mesures qui visent notamment à améliorer le quotidien des enfants protégés, à mieux protéger les enfants contre les violences, à apporter des garanties procédurales en matière d'assistance éducative, à améliorer l'exercice du métier d'assistant familial, à renforcer la politique de protection maternelle et infantile, à mieux piloter la politique de protection de l'enfance et à mieux protéger les mineurs non accompagnés. Donc, la loi, pour atteindre ses objectifs, favorise le placement du mineur chez les tiers dignes de confiance ou chez un membre de sa famille et systématise le parrainage. Donc, la possibilité également d'accueillir les mineurs à l'hôtel est désormais interdite par la loi. Je rappelle qu'en Ille-et-Vilaine, le recours à l'hôtel ne s'exerce que pour les mineurs, les personnes primo-arrivantes qui se déclarent mineurs pendant leur période d'évaluation. Et enfin, la loi interdit les sorties sèches de l'ASE à la majorité en garantissant un accompagnement pour les jeunes majeurs. Là encore, je rappelle qu'en Ille-et-Vilaine, la règle, c'est la continuité de la prise en charge des majeurs, du mineur devenu majeur, si ses conditions matérielles ou affectives ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins.
nous consacrions 20% de notre activité des jeunes pris en charge par l'AJE à ces jeunes majeurs pour les aider à entrer dans la vie. Concernant l'exercice du métier des assistants familiaux, la loi modifie leurs conditions de rémunération et donc propose une rémunération qui passera de 1302 euros bruts à 1645,58 euros bruts. Il y a d'autres aspects dans cette loi. Les autres modalités qui sont prévues dans cette loi pour revaloriser ce métier d'assistant familial vous seront présentées dans un rapport à la session de septembre, puisque ça doit faire l'objet d'un travail particulier et d'une concertation avec les organisations syndicales. Nous avons décidé toutefois d'anticiper en accordant une prime de 50 euros bruts par mois qui n'est qu'une anticipation des propositions à venir, propositions qui auront un caractère rétroactif au 1er juillet 2022. Donc ça, c'est la première partie du rapport, les éléments qui nous sont imposés par la loi. La deuxième partie du rapport, ça résulte de la volonté que j'ai décrite tout à l'heure de prendre à la fois en compte ce contexte général très très alarmant pour notre jeunesse et de nous concentrer sur ce qui compte pour l'avenir, c'est-à-dire cette jeunesse. Donc, on constate une augmentation de jeunes dits à problématiques multiples pour lesquels il est très très difficile de trouver des solutions adaptées. Et donc on y répond. On a créé 12 places pour septembre 2022 à travers un nouvel opérateur qui s'appelle La Vie au Grand Air. Et dans le prolongement de ces 12 places, on propose la création de 2 lieux de vie et d'accueil qui seront, eux, gérés par le réseau Labonde, une entreprise solidaire d'utilité sociale et qui a fait ses preuves dans d'autres départements pour développer ce type de structures qui deviennent très, très, très importantes pour accueillir ces jeunes à problématiques multiples. Dans l'attente de la création de ces places, et parce que le centre de l'enfance est engorgé, on a décidé d'ouvrir un lieu de vie et d'accueil pour 3 mois pour accueillir 6 jeunes de ce CDE. Et il vous est bien précisé que c'est un lieu temporaire et que le projet d'orientation de ces jeunes devra être concrétisé d'ici la fin de l'été. Nous développons également depuis plusieurs années une autre manière de prendre en charge les enfants qui s'appelle le placement à domicile. Anne-Françoise Courteil a eu l'occasion à plusieurs reprises d'en parler à la fois en commission et en assemblée. C'est une façon de travailler de façon intensive avec la famille et l'enfant à partir du domicile des parents en soutenant la parentalité. Les crédits inscrits au BP 2022 ont permis de déployer 78 places supplémentaires sur le territoire, qui ont été très vite absorbées par les besoins dans le département. Et donc, on propose la création de 12 places supplémentaires au 1er juillet 2022, ce qui nous permettra d'atteindre le nombre de 313 places en PAD sur l'ensemble du territoire. Je précise que les nouvelles créations permettent vraiment de désengorger la situation et qu'on atteint un stade de mesure d'attente qui est passé de 340 à 304. Donc, il y a encore des efforts à faire, mais avec toutes ces places, on va réussir à arriver à un niveau acceptable, entre guillemets, c'est-à-dire un niveau qui correspond en fait au flux, aux entrées et aux sorties des demandes de placement. Le département poursuit enfin son effort en faveur des mineurs non accompagnés. Le site de Verne-sur-Sèche accueille 20 jeunes depuis fin mai 2020 et les jeunes accueillis à aider doivent déménager. Et donc un appel à projet a été ouvert pour permettre une nouvelle localisation. Et nous allons également travailler à une diversification des modalités d'accueil
avec de l'hébergement diffus concernant ces jeunes. Il vous est donc demandé d'approuver les orientations du présent rapport, précisant que ces mesures sont des mesures, je dirais, d'urgence et d'attente, mais que, bien évidemment, ce qui ressortira des états généraux de la protection de l'enfance le 28 juin nous conduira à prendre encore d'autres mesures dans ce domaine. Donc, il vous est proposé d'approuver les orientations de ce rapport, d'approuver la revalorisation de la rémunération des assistants familiaux pour que celle-ci soit au moins égale au SMIC pour les assistants familiaux qui accueillent à leur domicile un enfant confié, de préciser que le versement d'une prime de 50 euros brut par mois aux assistants familiaux et assistantes familiales salariées du département à compter du 1er juillet 2022 sera proposé lors de la session de septembre, et d'approuver l'ouverture des places supplémentaires que je vous ai décrites afin de compléter l'offre d'accueil du département en matière de protection de l'enfance. Je vous remercie. Merci, Madame Larue. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Oui, donc, Monsieur Guidoni, votre micro est ouvert. Ah, pardon, excusez-moi. Donc, allez-y. Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Madame Larue, je ne sais pas, mais je pense que vous avez dû oublier la diversification de l'offre d'accueil pour les MENA, actuellement prise en charge à aider, puisque ça fait partie du vote. Je viens d'en parler, je pense. Ah d'accord, mais ça a été un peu fondu. Pas de problème. Donc, je prends la parole parce que le groupe UCD salue en globalité le rapport, car il s'y trouve de grandes avancées sur le champ de la protection de l'enfance, notamment la revalorisation des assistants familiaux essentiels, compte tenu des difficultés croissantes à recruter. On peut saluer aussi les créations de places dans les territoires. En commission 2 a été évoquée la situation très particulière de Fougères, territoire particulièrement sensible sur ce point. Concernant les MNA, nous avons étudié le contenu de l'appel d'offres. Je rappelle quand même qu'à l'heure de la commission 2, nous avions demandé à recevoir cet appel qui ne nous a pas été transmis. Nous l'avons quand même obtenu, mais devrons-nous être inquiets? À aucun moment dans l'appel d'offres qui nous a été transmis, il n'est prévu de concertation avec les collectivités locales concernées. Pour info, l'appel d'offres porte sur 28 places en collectif et 10 places en diffus. Avez-vous des éléments supplémentaires à nous transmettre suite à la clôture des candidatures? Si les collectivités ne sont pas associées, on peut se retrouver avec le même dispositif que Verne-sur-Sèche, ce que nous ne pouvons pas cautionner. Nous demandons un vote séparé par tiré afin de nous abstenir sur ce point, car pas de réelle garantie que ce nouveau dispositif permette une étroite collaboration avec les collectivités concernées. Et je le rappelle, nous adhérons tout de même totalement au reste du rapport présenté. Merci. Alors, Monsieur Bohan. Oui, merci, Monsieur le Président, chers collègues. C'est juste une remarque, effectivement, notamment sur les lieux d'hébergement, vie et d'accueil, dont les MNA, dont j'approuve effectivement le rapport. Seulement, je reviendrai sur la rareté du foncier qui avait souvent été indiqué par M. Louis Potrel. Dernièrement, donc, nous avons validé entre guillemets, la majorité des ventes de biens sur Rennes-Saint-Malo. Et je m'interroge sur ces ventes-là, puisque la rareté du foncier fera que peut-être dans quelques mois, quelques semaines, nous n'aurons plus la possibilité peut-être de trouver des lieux d'accueil, d'hébergement, de foyers de vie ou autres. Donc ça, c'était une première remarque. Et puis, pour en découler également, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur la commission d'appel qui a dû se réunir normalement le 13 juin, sur l'appel à projet qui était lancé donc pour les MNA, donc qui devaient quitter aider. Merci. Alors, pour ce qui concerne, je ne sais pas si des collègues ont participé à la commission du 13 juin, sinon je me tourne vers les services pour savoir quels sont... Oui, eh bien, Monsieur Colombel, si vous pouvez donner quelques éléments. Donc, on avait une seule candidature donc, qui a été retenue et donc qui acte pour partie, hein, parce que le transfert en fait des personnes qui sont à la gendarmerie de Aidé sur le site de Cesson, sur un site de Cesson, et donc c'est dans... aux abords d'un collège, alors j'ai plus le nom précis, aux abords du collège, et donc c'est dans un internat, et donc c'est prévu avec la mutualisation des services, notamment de restauration du collège, qui pourront servir aussi également le soir. Voilà ce que je peux vous apporter dans les détails, alors j'ai plus le site exact,
Mais concernant cette commission, donc, il y avait une personne, une association qui avait répondu, qui était l'association qui gérait déjà le site de la gendarmerie de Aidé. Madame Larue, si vous le souhaitez. Alors, je pense qu'il s'agit du site du collège de Saint-Louis. Et pour ce qui concerne la concertation avec les collectivités, évidemment qu'à chaque fois qu'on implante un lieu d'accueil de ce type, on concerte avec les collectivités. Ça a été le cas à chaque fois qu'on l'a fait. Donc, il n'y a pas. L'association, elle est attributaire du marché, mais sans lieu défini. Bien. Et je vous avais remis à dessein, lors de l'assemblée précédente, le rapport intégral du défenseur des droits et du défenseur des droits de l'enfant. Je ne doute pas que vous l'avez lu avec la plus grande attention, et notamment son préambule qui disait que la question de des MNA était une composante pleine et entière des politiques de protection de l'enfance et ne pouvait en aucun cas en être dissocié. La protection de l'enfance est une compétence, je dirais, régalienne d'un conseil départemental dans son exercice. Depuis toujours, partout, nous recherchons les solutions, les implantations, et dans l'immense majorité des situations, nous avons toujours, quels que soient les territoires, il y a des territoires où c'était plus compliqué, réussi à dégager des consensus. Aujourd'hui, il y avait un point d'accroche, mais qui me semble être en cours d'apaisement et de résolution. Mais le département ne peut pas, dans l'exercice de ses responsabilités, subordonner ses obligations de résultat à la validation de telle ou telle collectivité ou de telle. Je rappelle d'ailleurs que l'appel à projet en question est de portée quand même en effectif limité, que nous avons des expériences diversifiées sur tout le territoire, hein, je rappelle, Aidé, Liffré, Châteaubourg, Saint-Georges-de-Reintembault, Sens de Bretagne, où là nous avons reconverti des casernes de gendarmerie qui étaient des lieux d'habitation. Je rappelle à notre collègue M. Bohan que les biens que nous avons cédés n'avaient absolument aucune capacité, ni capacité, je dirais, par rapport à la réglementation locale et à Saint-Malo comme à Rennes, de réaffectation pour ce type de projet. Donc, c'est de fait sans objet. Alors, le fait aussi d'évoquer la raréfaction, la nécessaire maîtrise du foncier ne doit pas tomber non plus dans la caricature à laisser penser qu'on ne pourrait plus définitivement rien construire nulle part. Ce n'est pas ça, et vous le savez bien dans l'exercice de vos responsabilités, notamment municipales, construire différemment, certes, restructurer les centres sûrement, compacter un peu, densifier, faire du renouvellement urbain, mais il n'est pas, personne n'a jamais écrit, et en tout cas, je dirais au niveau gouvernemental, il n'est absolument pas interdit, et notamment les projets d'intérêt collectif, bien évidemment, garderont des possibilités d'être mis en œuvre, et c'est très heureux qu'il en soit ainsi. Les choses ne sont quand même pas figées à un point où on se dirait que on ne pourrait plus rien faire dans ce domaine comme dans d'autres, et bien évidemment, il y a aussi toujours l'impératif de produire des logements à un niveau et un volume suffisant pour éviter la hausse des coûts du logement, qui est, je le rappelle, le principal poste de dépense de nos concitoyens. Et si on veut vraiment agir sur le pouvoir d'achat, le premier levier, plus que tout autre, c'est la question des loyers et de la possibilité de se loger correctement. Donc, je ne voudrais pas qu'il y ait d'ambiguïté sur ce point par rapport aux deux sessions évoquées. Il n'y avait absolument aucune possibilité de transformation de ces sites. Mais par contre, à l'inverse, partout où nous avons eu capacité à le faire. Je rappelle aussi le premier site emblématique, la caserne Guillaudeau à Rennes, qui est de loin le plus grand centre MNA du département. Et à ce moment-là, nous avions, nous, une promesse de vente avec un opérateur pour 6 millions d'euros, auxquels nous avons renoncé pour respecter d'abord nos missions. Donc, par rapport à la demande d'un vote dissocié, ma réponse est non, le vote est global. On connaît la règle, quand il y a des tirets, on fait des votes séparés. Là, on n'est pas dans le cadre de tirets, il y a d'approuver et dans l'approbation, il y a 5 points. Mais je vous renvoie vraiment en toute responsabilité au préambule du rapport du défenseur des droits et du défenseur des droits de l'enfant qui disent bien que la question des MNA est indissociable de la politique de la protection de l'enfance, compétence pleine et entière des conseils départementaux. Est-ce qu'il y...
Alors, une explication de vote pour Madame Roger Moigneux. Peut-être, je ne sais pas si d'autres veulent donner une explication de vote. Je les prendrai, bien évidemment. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Au nom du groupe écologiste, fédéraliste et citoyens et citoyennes, je tiens à saluer les mesures qui, je l'espère, seront adoptées à l'unanimité aujourd'hui et qui sont une première réponse à des besoins caractérisés en matière de prévention et de protection de l'enfance, qui ont d'ailleurs pu être malheureusement exacerbés lors de la crise sanitaire, comme le rappelait notre collègue. Les enjeux concernant la protection de l'enfance sont encore nombreux et nous incitent à travailler collectivement pour une politique publique toujours plus efficiente et toujours plus adaptée aux besoins des enfants accompagnés, dont les parcours sont trop souvent émaillés par des ruptures. Une attention particulière va continuer à être apportée aux professionnels, vous le disiez, c'est-à-dire à celles et ceux qui œuvrent trop souvent dans l'invisibilité et qui permettent à tant d'enfants et de familles de sortir de périodes de crise, de retrouver des équilibres de vie, de reprendre pied, d'avoir des perspectives de vie sereines et épanouissantes. L'actualité nationale sur ces questions nous rappelle trop souvent que le travail engagé par notre collectivité doit se poursuivre. La tenue prochaine des États généraux constitue un engagement fort souhaité par notre groupe écologiste fédéraliste et citoyen et un point central de l'accord programmatique qui unit notre majorité. Le travail qui s'engagera par la suite sera décisif pour l'avenir de la protection de l'enfance. Les moyens financiers mobilisés sont significatifs, pardon, et doivent permettre d'apporter des réponses aux problématiques de protection, mais aussi de prévention rapportées durant les temps territoriaux, de les adapter dans le respect et le souci de l'intérêt des enfants, de leurs besoins et de leur bien-être. Les États généraux mettront en exergue la parole des professionnels, celle des enfants, celle des familles. Notre groupe aspire à aller plus loin en envisageant la participation des enfants, des parents, des professionnels dans l'élaboration des politiques publiques pour atteindre un véritable pouvoir d'agir des enfants. Leurs expertises d'usage doivent être reconnues. Ce levier pourra être un outil d'enrichissement de la décision, permettant de saisir les besoins et les enjeux de façon objective, tout en favorisant un climat de confiance vis-à-vis des institutions. Nous apportons notre soutien à Madame Courteil, vice-présidente, qui a d'ores et déjà engagé des actions en ce sens. Au-delà des moyens financiers supplémentaires nécessaires, nous aurons à continuer à porter collectivement les travaux engagés dans le cadre du CHEPA départemental Enfance-Famille qui court jusqu'en 2025 et à continuer d'accentuer les actions de prévention. La loi du 7 février dernier accroît davantage les obligations des départements et notamment sur l'accompagnement des jeunes majeurs, comme ça a été précisé. Accompagnement qui a d'ailleurs été le thème des assises nationales qui ont eu lieu récemment. Sur cette question, j'attire votre attention sur la responsabilité qui nous incombe concernant l'accès à l'autonomie de ces jeunes et à leur avenir. Notre jeunesse est notre avenir. C'est pourquoi nous nous devons de porter la mise en place d'un revenu de base pour les jeunes issus de l'ASE, qui se retrouvent trop souvent en situation de grande précarité, d'exclusion, éloignés de l'insertion. Ainsi, nous leur apporterons des garanties suffisantes, favorisant l'égalité des chances. Notre majorité s'y engage, je m'y engage. Nous avons le devoir collectivement au sein de cette Assemblée de permettre à ces jeunes ayant connu des parcours de vie difficiles, voire dramatiques, d'avoir des possibilités d'insertion, des perspectives d'avenir. Michel Chauvière, sociologue, nous enseigne. Il nous dit « En agissant pour l'enfant, nous agissons pour la société. À nous d'agir. » Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien, merci. Madame Guiblin. Oui, ce serait pour une explication de vote. Donc, nous allons voter pour… Nous regrettons juste la rigidité réglementaire pour pouvoir se positionner sur ce point. Et nous serons quand même très vigilants à la concertation avec les collectivités. Bien, merci. Dont acte, et moi je me porte garant de la concertation, bien sûr, avec les collectivités. Mais à un moment donné, ça, on ne peut pas simplement se mettre dans une position qui serait de donner un droit de veto à une collectivité. Mais concertation, certainement, et c'est ce que nous avons toujours fait. Alors, je mets donc ce rapport aux voix. Y a-t-il des personnes qui ne prennent pas part au vote, qui s'abstiennent, qui votent contre? Donc, unanimité, merci. Donc, nous allons pouvoir passer à la rubrique suivante, donc, qui nous amène au rapport numéro 12. Donc, série de rapports que je vais présenter pour une bonne part.
Alors, le premier porte sur la révision des délais de caducité pour les opérations de logement. Vous le savez, nous sommes très, très régulièrement en commission permanente, notamment à proposer, et elles sont toujours systématiquement validées, des décisions de prorogation parce que les règles actuelles remontaient sans doute à une autre époque, mais qu'au fil du temps, on a vu, alors notamment avec le contexte, la crise sanitaire, crise majeure, la crise économique, les difficultés de conduite d'opération, les difficultés de bouclage des montages financiers des opérations, et bien que les délais initiaux étaient de moins en moins souvent tenables et que par ailleurs, alors que nous exerçons pour 15 intercommunalités, pour le compte de l'État, la délégation de l'aide à la pierre, l'État lui-même avait un dispositif avec une durée de validité de 7 ans, éventuellement même prorogeable pour 2 années. Donc la proposition qui vous est faite, c'est de se caler sur ces durées et donc de porter de 4 à 7 ans le régime de droit commun avec prorogation éventuelle. Et vous avez donc déjà une longue liste d'opérations qui peuvent s'inscrire dans cette démarche, donc qui serait une démarche de simplification. Bien sûr, nous, notre volonté, c'est que les choses aillent le plus rapidement possible, mais nous ne sommes pas en conduite d'opération dans ces circonstances. Nous sommes simplement financeurs pour partie des opérations réalisées par les maîtres d'ouvrage concernés. Est-ce qu'il y a sur ce point, oui, Monsieur Petrel? Oui, Monsieur le Président. Donc, quand il s'agit de simplification, moi, je suis toujours d'accord. Donc, repousser le délai de caducité, tout à fait d'accord, sans problème. Mais moi, j'ai été sollicité par un certain nombre de personnes qui, pendant la crise sanitaire, ont eu des difficultés à déposer leurs dossiers. Et pour un certain nombre de dossiers, ce qui fait date, c'est la signature chez le notaire. Et il n'a pas toujours été facile de transmettre le dossier de demande lors d'une acquisition immobilière, hein, en centre-bourg, notamment pendant la crise sanitaire. Et il y a des personnes qui sont passées à côté d'une aide. Et moi, ce que je vous lance comme réflexion, c'est qu'on puisse faire preuve de souplesse pour ces dossiers-là. Parce que, quelque part, il faut vraiment avoir l'information, on va dire, initié dès le départ pour pouvoir faire les démarches. Et il y a beaucoup de gens qui ont l'information, eh ben, la signature est faite chez le notaire. Et du coup, ces personnes-là sont privées d'une aide. Alors, la question que je vous pose, est-ce qu'on ne pourrait pas faire preuve de souplesse par rapport à ces dossiers qui n'ont pas été, on va dire, acceptés, faute d'avoir respecté le délai par rapport à l'acquisition du bien? J'entends ce que vous dites et je ne suis pas du tout opposé à ce qu'on ait une réflexion spécifique sur ce point-là, mais je dirais que ce n'est pas l'objet du rapport. L'objet du rapport ne porte que sur les subventions qu'on apporte, nous, à des constructeurs et aux grands opérateurs. Donc, on retrouve Espacil, Aiguillon, Néotois, Émeraude. Il n'est question que de cela. Les autres dispositifs de titre d'aide, notamment qui passent par l'ANA, ont un mode de gestion et d'instruction différent. Alors, si on peut avoir un point d'étape, voir dans quelle capacité on pourrait être, mais ce rapport-là est concentré sur les subventions pour les opérateurs qui sont listés et qui sont nos grands interlocuteurs pour la production du logement. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Donc, s'il n'y en a pas, je mets le rapport aux voix. Y a-t-il des personnes qui ne prennent pas part au vote, s'abstiennent ou votent contre? Il est donc adopté à l'unanimité. Le rapport suivant porte sur le fonds d'urgence. Donc, je rappelle l'historique, une décision prise à l'occasion du vote du budget 2021. Sur 2 années, 20 millions d'euros avec quelques grands axes, les communes, le logement, la transition, des expérimentations dans le secteur de l'agriculture et des transitions,
pour aider à, c'était notre contribution à un plan de relance départemental, donc 2 × 10 millions d'euros. Donc un point d'étape sur la mobilisation de ces 20 millions. Il y avait un axe très fort sur le logement et je crois qu'il a été particulièrement apprécié et opérant, qui permettait pendant cette période, je rappelle, les logements qui étaient financés à hauteur de 7 000 euros par logement, on est passé à 12 000 euros, ce qui est extrêmement significatif, notamment pour les logements les plus sociaux, les PLAI. Et donc, nous avons majoré nos aides de base de 50%. Il est proposé aujourd'hui, au regard de la consommation des crédits, de reparamétrer ce périmètre à hauteur de 4,9 millions avec l'ensemble des mesures. Sur un dispositif qui, lui, a connu un très grand succès en termes de mobilité, je rappelle, notre objectif, c'est aussi la compacité, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit au maximum mobilisé effectivement en 2022, parce que après, d'autres choses pourront vivre leur vie, mais dans des échéances un petit peu plus lointaines. Alors, le fonds de soutien, notamment mobilisé, qui donne lieu à une commission qui se réunit tous les mois après la commission permanente, lui peut être abondé et donc il pourrait être porté à hauteur de 6,3 millions au lieu de 6, parce que nous avons des dossiers en instance, et sinon nous ne pourrions pas, il y aura encore une quatrième session d'attribution, et là je pense qu'on aura totalement mobilisé ce dispositif. Sur ce qui concerne aussi l'axe amélioration des conditions de vie dans les établissements, donc humanisation notamment après avoir vécu les contraintes de la crise sanitaire, ceci pourrait être porté à 6,4 millions au lieu de 5 millions parce que cela a suscité un nombre significatif de dossiers et souvent des dossiers avec des volumes financiers importants. Pour ce qui concerne l'accompagnement des transitions, on est très proche donc de l'estimation initiale des besoins par rapport à la mobilisation. Nous étions sur un volume d'1,5 million. Et par ailleurs, sur le volet innovation-transition, nous avons aussi la possibilité donc, de contribuer au financement de la décarbonation de la flotte automobile des services d'aide à domicile. Je rappelle qu'il y avait eu une opération de très, très grande envergure avec l'ADMR, avec un contrat global qui portait sur plus de 800 véhicules neufs et renouvelés par rapport, bien sûr, et avec un contrat de gestion, de maintenance et d'entretien avec l'opérateur qui permettait donc bien, notamment aussi de doter ces personnes qui jusque-là utilisaient uniquement leur souvent vieux véhicules personnels avec des indemnités kilométriques, d'avoir des véhicules totalement relookés et floqués aussi, ce qui leur donnait une identité visuelle. Et pour beaucoup d'entre eux, j'ai vu des personnes me dire que c'est la première fois qu'elles accédaient à un véhicule neuf de leur vie. Et c'était pour elles un signe aussi de reconnaissance et de fierté. Donc, ce qui vous vient, on maintient l'enveloppe globale, on fait des transferts et des réaffectations de crédits d'impôt là où il y a un peu plus de demandes que sur d'autres. Et on espère ainsi que les 20 millions d'euros seront mobilisés pendant la période impartie. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur ces propositions? Bon, moi, je salue la fluidité de la commission. On a encore dégagé des avis favorables unanimes sur la totalité des propositions il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est quelque chose, notamment le pôle communal. Plus on arrivera, je pense, à pas loin d'une centaine de projets, et notamment dans des petites communes. Je mets donc ce rapport aux voix. Y a-t-il des personnes qui ne prennent pas part au vote, s'abstiennent, votent contre? Donc, unanimité, merci. Le rapport suivant relève de nos politiques de soutien en matière de solidarité, d'aide aux plus démunis. Alors, il y a différentes façons de le faire. Il y a des aides directes et je rappelle que dans notre dispositif FAPA, les grands opérateurs, Restos du Cœur, Secours catholique, Secours populaire, Emmaüs et beaucoup d'autres ont tous été soutenus. Nous avons une sollicitation, cette fois Saint-Benoît-Labre, qui veut réaliser et aménager des locaux sur la commune de Châteaubourg, au Rocher, donc ça se passe en deux temps. Nécessité d'obtenir une garantie d'emprunt, donc selon les règles, on ne peut pas dépasser 50% du montant sollicité en garantie. Et il y aura ultérieurement l'instruction d'une demande de subvention. Aujourd'hui, bon, où les choses sont un peu en calage, c'est que on est toujours intervenu dès lors qu'il y avait une intervention de la ville ou de la communauté où ça se passe.
Pour l'instant, il semble que ce soit encore en discussion, donc on attendra. Mais par contre, on peut d'ores et déjà acter le principe de la garantie d'emprunt. L'emprunt sera lui-même mobilisé, bien sûr, que si l'opération se faisait. Donc, vous avez les caractéristiques. Donc, c'est la moitié du montant à souscrire. Est-ce qu'il y a sur cette proposition des demandes d'intervention ou de précision ? Donc, il n'y en a pas. Je mets donc le rapport au vote. Y a-t-il des personnes qui ne prennent pas part au vote, s'abstiennent ou votent contre ? Il est donc adopté à l'unanimité. Le rapport suivant, compte de gestion 2021. J'évoquais hier la déception de notre comptable public, donc réseau Trésor public, qui aura suivi nos comptes avec une très grande attention, un très grand professionnalisme et je dirais aussi un excellent esprit collaboratif, donc parce que lui, c'est à la fois il est empêché temporairement par la pandémie, mais il est surtout empêché après plus durablement parce qu'il fait valoir ses droits à la retraite et donc il n'aura plus à suivre cette mission. Bon, je renouvelle ce que j'ai pu dire hier et au regard des travaux qui ont été effectués dans l'analyse comparée de nos comptes administratifs et de notre compte de gestion, je vous propose d'approuver ce compte de gestion, ce qui pour lui permettra d'avoir un quitus, c'est important pour un comptable public, pour sa gestion de l'exercice écoulé. Oui, monsieur Delaunay. Excusez-moi, monsieur le Président, est-ce qu'on pourrait revenir sur la délibération précédente ? C'est possible ? Oui, alors essayons de ne pas trop perturber les déroulés quand même. Sur l'écriture, j'ai un petit peu de mal. C'est dans le quatrième paragraphe. Au regard de l'engagement effectif des dispositions que le plan doit abonder, sur l'agriculture notamment, les besoins sont réévalués à 1,4 million contre 1,5 million. Quand on réévalue, on met plus en général ? Non ? Excusez-moi. Le décompte de tout ce qui nous est revenu, on l'évalue en montant potentiellement subventionnable à 1,4 million. C'est la réalité des dossiers reçus. C'est une actualisation de l'estimation. C'est pas une réévaluation du montant. C'est de l'estimation qu'on pense consommer aujourd'hui. Alors, nous étions au compte de gestion de notre comptable public. Est-ce qu'il y a des avis contraires à son approbation, des personnes qui ne prendraient pas part au vote ou qui s'abstiendraient ? Il est donc adopté à l'unanimité. Alors, nous allons passer à l'examen du compte administratif. Donc, je crois que nos services sont préparés avec leur efficacité habituelle, un document à la fois pédagogique, mais je crois qu'il permet d'avoir tous les éclairages essentiels. Bon, en propos introductif, je dirais simplement que c'est le compte administratif le plus favorable depuis très, très, très longtemps. Alors, cela repose bien sûr sur différents facteurs d'explication, mais la première chose à faire, nous n'avions jamais connu au département, je dis souvent qu'en matière de compte public, il y a un juge de paix, c'est l'épargne nette. Et si on regarde la série d'évolution de notre épargne nette depuis 2015, nous avions eu 3 années, 45 millions, 46 millions, 47 millions. Sur un budget d'1 milliard, vous convenez que c'était peu. Puis, rétablissement en 2018, où nous étions montés à 71, 2019, 91. La crise sanitaire avec un impact majeur, dépenses sanitaires, RSA 14 millions, accompagnement des structures, nous avions perdu 40% de notre épargne nette en 2020 et nous étions retombés à 53 millions. Mais le fait d'avoir pu être monté à 90 nous a permis d'absorber ce choc. Et aujourd'hui, bien le compte administratif, l'épargne nette, cet indicateur très fort, va ressortir à 108 millions d'euros. Alors, il y a des éléments, bien sûr, d'optimisme. Il y a aussi des éléments de tempérance. On connaît la fragilité du modèle économique qui conduit à ce résultat et notamment l'effet majeur de l'évolution des droits de mutation. Mais néanmoins, quand les choses vont mieux, je crois qu'il faut le dire, ça ne conduit pas à l'euphorie pour autant. Mais néanmoins, c'était quelque chose d'acté. Et puis au moins, ça permet de se dire, nous sommes en situation, même en imaginant le pire, de faire
face à nouveau à une crise qui serait de grande ampleur. Et je préfère toujours parler de l'épargne nette que de l'épargne brute, parce qu'il y a certaines structures budgétaires où on peut avoir une très bonne épargne brute, mais si les remboursements de capital sont considérables, eh bien il peut ne pas rester grand-chose pour l'épargne nette. Alors que là, l'épargne nette, c'est bien une fois le remboursement du capital des emprunts fait. Donc 108 millions, je dirais, si on devait peut-être retenir un seul chiffre de ce compte administratif, cela pourrait être celui-là. Alors, on va pouvoir dérouler un petit peu les choses. Bien sûr, l'effet majeur de la progression des DMTO à un niveau inégalé, que ce soit en pourcentage d'évolution ou en volume d'évolution, plus de 52 millions d'euros. Bon, c'est bien pour nous. Je redis aussi avec la plus grande humilité que cette situation n'est pas le propre de tous les départements de France, loin s'en faut. Je serai en commission des finances de l'ADF mardi, nous aurons l'Assemblée générale des départements de France mercredi, un bureau spécial, naturellement qu'il y a des dizaines et des dizaines de départements où les droits de mutation sont à tonnes. Mais nous sommes, je le redis, sur cet axe Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, où nous avons cette chance, mais ce n'est pas le modèle économique de l'ensemble de nos collègues. Par ailleurs, en 2021, une forte stabilisation de l'évolution des dépenses de fonctionnement, avec un taux à périmètre constant à hauteur de 1,2%. Alors, là aussi, relativisons, c'était une réduction d'une très forte progression. Parce que l'année d'avant, nous avions eu un pic considérable qui avait contribué à dégrader notre épargne, et notamment sur deux blocs essentiels, que sont le revenu de solidarité active, il n'y a pas de décrue. Or, il y a eu un pic extrêmement important et nous ne sommes pas en décrue en termes de mobilisation de moyens. Et sur la protection de l'enfance, eh bien, nous avons pris des décisions très volontaristes avec une dynamique forte de croissance et nous ne redescendons pas, bien sûr. Et au contraire, y compris dans notre budget pour 2022, nous avons réabondé ces politiques publiques. Donc, le 1,2 a un effet qui doit être corrigé de la très forte progression parce que, vous le savez, dans ce domaine, on ne redescend jamais. Et autre facteur positif, un volume d'investissement qui aura progressé de près de 10 millions d'euros hors budget annexe, donc de 130 à 140. Et malgré cela, une réduction de la dette de près de 20 millions d'euros, donc remontée des investissements tout en poursuivant la stratégie globale de désendettement. Alors là, vous avez un tableau un petit peu plus fouillé, mais qui, je crois, j'ai avoir décrit l'essentiel de ces deux, et si l'on veut, de ces grands indicateurs, pour faire simple, on peut se dire que sur un budget d'un milliard d'euros, il y a un milliard de structures dépenses de fonctionnement, 200 millions structures investissement, dont dans ces 200 millions, le trois quarts, c'est des réalisations des investissements et des subventions, et un quart, c'est le remboursement du capital de la dette. Alors, j'attire aussi l'attention sur le poids, bien sûr. Dans un département, la structure de fonctionnement, c'est 84 à 85% en moyenne nationale. C'est très différent d'une commune, c'est encore plus différent d'une intercommunalité. Et c'est pour ça que j'avais dit et redit que la contractualisation de Cahors, qui ne portait que sur le fonctionnement, était beaucoup plus contraignante pour un département à dépenses sociales normées et obligatoires que pour d'autres structures qui gardaient une autonomie importante, souvent sur plus de la moitié de leur budget, qui n'était pas sous la contrainte du contrat de Cahors. Alors, l'évolution de la structure de nos recettes. Alors, bon, bien sûr, le volume augmente, point de satisfaction. Mais vous voyez en vert la part prépondérante, enfin la plus importante désormais, les DMTO, 252 millions d'euros, près d'un quart, avec point positif, une dynamique favorable, point négatif, une fragilité, une volatilité et en pareille circonstance, aucun pouvoir de correction. Donc, vous le savez, à l'Association des départements de France, mais là, c'est un consensuel, je dirais droite et gauche, et avec toutes les nuances de cette caractérisation, la demande, c'est un jour de laisser aux collectivités départementales un pouvoir de taux, même s'il est encadré, mais un pouvoir de taux de variation du taux des MTO, un tronc commun national minimum et un plafond défini, mais après, la latitude pour une assemblée de décider de faire fluctuer les choses. Et puis, vous voyez apparaître la TVA.
Donc ça, c'est nouveau. La TVA correspond à la compensation du montant de foncier bâti. Alors, sur le montant, la compensation est intégrale à l'euro près avec l'indexation qui était actée l'an passé. Simplement, j'attire l'attention sur quand même un impact négatif qui, en dynamique, nous coûtera au moins entre 3 et 5 millions d'euros par an, c'est que nous serons assujettis à l'indexation nationale de l'évolution de la TVA. Donc, ce sera le taux de progression constatée début janvier pour l'année qui s'écoule, qui sera appliquée pour nous attribuer notre TVA et non pas l'évolution de la TVA en Ille-et-Vilaine, alors que le foncier bâti bénéficiait de la dynamique d'Ille-et-Vilaine. Là, nous serons nivelés. Alors, ça arrangera les départements peut-être les moins favorisés. Ils gardent, eux, le taux national est mieux pour eux, mais il est moins bien pour nous. Et puis, vous voyez aussi d'autres grandes recettes. Alors, on parlait souvent de la DGF dans le budget des collectivités. Vous voyez que ce n'est même plus notre troisième recette. Notre troisième recette, c'est la taxe sur la spéciale sur les conventions d'assurance qui représente désormais 128 millions d'euros, là où la DGF n'en représente plus que 116. Et dans les dotations et autres participations, on retrouve pour plus de 45 millions les fonds qui avaient été mis en place au moment de la suppression de la taxe professionnelle, le FNGIR et la DCRTP. Donc là, vous voyez eh bien dans la progression de nos recettes, la part prépondérante, la progression des DMTO, c'est trois quarts en fait, de cette progression-là. Donc j'ai évoqué la progression plus limitée l'an passé, mais sur un chiffre qui est constitué un pic l'année précédente des dépenses dites de fonctionnement. Donc à périmètre constant, on est à peu près sur 1,2%. Alors, ce taux global, bien sûr, ne correspond pas au taux du secteur social, 2,4 globalement, et avec toujours le secteur enfance-famille, alors 3,5, mais sur un chiffre qui est devenu le plus important de tous. Et si vous faites la somme de ces quatre grandes politiques publiques, eh bien, c'est près de 70% de nos dépenses de fonctionnement qui sont concentrées sur ce périmètre-là, sans compter les dépenses ressources humaines dédiées à ces missions, qui viendra encore augmenter. Donc, bien évidemment, le poids du secteur social, mais c'est nos missions, c'est notre ADN, et donc avec encore un taux significatif secteur enfance. Et on a vu aussi qu'à notre budget primitif, nous avons pris des décisions très volontaristes, nous étions globalement sur des évolutions à 5%. Donc, bien, on retrouve un petit peu la dimension secteur social. Et même si on met le secteur enfance d'une autre couleur, parce qu'on le rattache chez nous à la commission 2, égalité des chances, mais personne ne conteste la dimension éminemment sociale de l'ensemble de l'action et des budgets alloués à la protection de l'enfance. Et puis, on retrouve aussi, hein, je dirais, en cinquième position, l'ensemble des questions éducatives et notamment le pôle collège. Alors, la structure de l'équilibre budgétaire, c'est un petit peu ça qui permet de mesurer l'évolution de la situation. Et donc, vous le voyez, eh bien, cet indicateur sur épargne brute, épargne nette, qui fait qu'on atteint ce niveau tout à fait inégalé et que nous allons de nouveau constater une réduction du stock de dette, qui est un élément aussi porteur d'avenir, parce que comme on a pu s'en désendetter, on serait en capacité, si besoin, de se réendetter un peu, comme on a les marges qui permettraient de le faire. Par contre, étant entendu, bien sûr, que l'emprunt ne peut servir à financer que de l'investissement. Alors, en matière d'investissement, une progression d'environ 10 millions de dépenses réalisées. Et donc, le premier poste 2021, les mobilités pour 43 millions d'euros. Les collèges, 31 millions d'euros. Ça avait baissé un petit peu par rapport à l'année d'avant. Je rappelle que 2020 était une année absolument exceptionnelle avec la livraison de trois nouveaux collèges ex nihilo. Bon, ça n'arrive, je crois, dans un mandat ou même dans l'histoire d'un département qu'exceptionnellement. Mais il nous reste un nombre très important d'opérations de restructuration, parfois très lourdes, hein. 5, 6, 8, peut-être 14 millions d'euros pour certaines qui sont en phase d'amorçage. Et puis le soutien constant et important dédié à l'immobilier du SDIS avec près de 11 millions de crédits
réalisés, et notamment c'était pendant cette période l'achèvement des opérations Moulin de Jouet. On a livré la caserne de Plélan, livré celle de Saint-Main-le-Grand et puis d'autres opérations, d'Aumalin également. Alors il y a de toute taille hein, des opérations de cette envergure. Et puis nous avons aussi ouvert le chantier sur le Hill pour le centre technique mutualisé. Alors, là, vous avez la cartographie de l'évolution de la dette. Si on se met sur un temps, même remontant simplement à 2015, eh bien, on peut constater que le département a réduit sa dette de 98 millions d'euros, alors que sur la même période, depuis 2015, il a engagé ou mandaté, enfin mandaté ou engagé près d'un milliard d'euros d'investissement. Bien. Voilà, Monsieur Ledru, merci. On a réussi à se coordonner entre le commentaire et la projection. Donc voilà les éléments clés de ce compte administratif. Donc à retenir, on retrouve un niveau d'épargne supérieur à ce que nous avions réussi à faire en 2019 avant la crise sanitaire. Un commentaire, mais que je crois qu'on partage tous, sur la fragilité du modèle économique qui fait que nos deux principales recettes, hein, si on fait TVA et droits de mutation, c'est presque 500 millions d'euros. C'est lié à l'activité économique. Pour l'un d'entre eux, c'est extrêmement fragile. Pour l'autre, il y a une dynamique, mais qui sera moins favorable que la dynamique locale. Et puis l'évolution de la dette, qui semble, on semble pouvoir dire que cela aura été maîtrisé, tout en ayant remonté le niveau d'investissement dès 2021 à 140 millions d'euros. Et je dis qu'en 2022, ce chiffre sera encore supérieur. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Oui, Monsieur Breteau. Oui, Monsieur le Président, une très courte intervention parce que j'ai eu l'occasion de vous le dire avant ce début de séance, je dois vous quitter pour participer à une audition au titre de l'Association des maires de France importante sur l'avenir des concours financiers aux collectivités territoriales, justement. Et pour rien au monde, je ne voudrais louper cette audition dont chacun mesure l'enjeu. Et j'imagine que l'ADF ne va pas tarder à passer aussi à ce type d'exercice. Simplement deux commentaires sur le CA et du coup un commentaire sur l'ADM à cette occasion, puisque l'ADM c'est la reprise des résultats, donc vous me permettrez de compacter. Évidemment, nous voterons le compte administratif, il n'est pas question pour nous de remettre en question la sincérité des comptes que vous nous présentez, et donc le compte administratif est évidemment la traduction de l'exécution comptable et budgétaire de l'exercice. Trois observations. La première, effectivement, notre autofinancement s'améliore considérablement du fait de la progression des recettes et des droits de mutation. Il faut s'en réjouir, tout en mesurant, effectivement, vous l'avez dit, que ces recettes ont un caractère relativement... il ne faut pas les prendre pour des acquis. Elles sont cycliques. Et du coup, la stratégie de désendettement, en partie proposée dans le cadre de l'ADM, me paraît... de bonne gestion dès lors qu'on utilise une recette. Voilà, il faut se désendetter quand on peut le faire pour pouvoir se recréer des marges de manœuvre dans les moments. Deuxième élément, la maîtrise de dépenses de fonctionnement qui permettent de dégager un certain autofinancement. Vous avez dit, mais une étude récente de l'Agence France Locale démontrait que nous étions dans les départements les plus. Enfin, tous les départements n'étaient pas dans cette situation. J'ai en tête de manière très précise la carte qui a été présentée par l'AFL la semaine dernière lors d'un colloque à Paris sur l'évolution des finances locales et l'Observatoire 2021 des finances locales. Très honnêtement, la plupart des départements sont en bleu, dans la couleur de la carte de l'AFL, j'entends, qui était un indicateur d'amélioration substantielle de la situation financière et il faut s'en réjouir. Bien, donc nous sommes en face d'un autofinancement qui s'améliore. Et c'était le sens de nos questions orales, et ce sera le sens aussi de notre vote sur l'ADM. On est en face d'une situation très particulière, comme on a pu le connaître à l'occasion du Covid, comme on a pu le connaître à l'occasion de l'Ukraine, et on aurait pu se dire que dans l'ADM, une partie de ces fonds, une partie, sans remettre en question ce que vous avez dit et ce que j'ai repris, aurait pu être affectée à des abondements de crédits d'urgence sur un certain nombre d'aides directes, au titre notamment de la crise de l'énergie. Je redis, et je suis absolument certain que de toute façon, on sera sollicité sur cette question. Je voudrais prendre deux exemples. Je pense que les demandes FSL ne cessent d'augmenter et ce n'est pas terminé. Et je pense par ailleurs qu'un certain nombre d'établissements publics
qui hébergent nos personnes âgées ou en situation de handicap auront des difficultés budgétaires au-delà des réserves de compensation constituées. Et donc, de toute façon, je pense que nous serons sollicités sur cette question et que nous n'aurons pas le choix. Parce que voilà, donc je trouve qu'on aurait pu affecter une part de ce résultat hors norme ou à un fonds d'urgence non renouvelable pour servir d'amortisseur au titre de la crise énergétique qui s'annonce. Voilà, si j'avais été là au DM, je profite de l'intervention du CA, je m'en excuse, pour vous dire par ailleurs ce qui aurait été notre position, enfin ce qui aurait été la position que j'aurais voulu défendre sur la DM si j'avais pu être là. Pardon de ce raccourci entre deux délibérations, Monsieur le Président. Bien, si vous voulez, bien, je vais vous répondre pour que vous ne partiez pas sans avoir ma réponse. Après, on va scinder les opérations de vote. Alors, nous entendons bien cette question, mais j'aurai deux réponses. La première, nous avons déjà, lors du budget primitif, abondé de façon extrêmement, et je l'avais dit, exceptionnelle et non reconductible, notamment provisionner toutes les mesures sur l'extension du Ségur à un périmètre beaucoup plus large, notamment parce que les résidences autonomie, notamment parce que toute une série de nos partenaires n'étaient pas dedans. Donc c'est déjà, d'une certaine façon, inscrit, non mobilisé. Par ailleurs, il ne vous a pas échappé que nous tablons sur une diminution faciale de l'inscription des droits de mutation. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas d'indicateur constatant cela. Ce qui veut dire que nous gardons la capacité en DM2, s'il y avait des urgences, à faire face, parce qu'à ce jour, en transparence, il n'y a pas de baisse des droits de mutation par rapport à la courbe de l'année dernière. Et donc, simplement, une DM2 pourrait, s'il y avait des urgences avérées, mais n'oublions pas que nous avons quand même mobilisé près de 50 millions d'euros de plus dès le BP sur les quatre grands secteurs de politique publique. Donc, ça, à mon avis, ça permet de voir venir. Et je dis bien sûr que nous serons attentifs. Il y a une DM2 en novembre. Nous aurons une vision plus consolidée à la fois de nos ressources droits de mutation et à la fois de l'évolution des besoins de nos partenaires. Voilà, comme ça, vous partez avec un élément de réponse. Alors, Monsieur Potrel. Oui, Monsieur le Président, rapidement. Les taux d'intérêt augmentent, les banques deviennent de plus en plus réticentes pour prêter de l'argent aux collectivités. Quelle est la stratégie sur 2022 du département sur le sujet ? Bien, je pense que vous avez, alors même si c'est le rapport d'après, déjà réduction importante du recours prévisionnel à l'emprunt. Autre élément, une structure de dette qui est totalement sécurisée pour plus de 75% par des emprunts à taux fixe, et nos emprunts à taux variable sont tous des emprunts capés, c'est-à-dire avec des corridors qui évitent les débordements tout à fait considérables. Et puis, le fait d'avoir déjà réduit la dette de près de 100 millions d'euros, aujourd'hui, notre capacité de désendettement est ponctuellement, à l'instant où je vous parle, inférieure à 3 ans. C'est un ratio que même le banquier le plus exigeant met dans le vert. Donc, ça nous sécurise. Alors, après, bien sûr, nous sommes attentifs à l'évolution. Nous procédons systématiquement par consultation auprès de l'ensemble des opérateurs. Mais la réponse déjà dans la DM1, on réduit d'emblée, de façon prévisionnelle, un recours à l'emprunt et on constate au compte administratif une nouvelle réduction de près de 20 millions d'euros. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ? S'il n'y en a pas, les règles du Code général des collectivités locales me conduisent donc à passer la présidence de séance, en l'occurrence au second vice-président Nicolas Perrin, qui va se roder à cet exercice, qui va le mettre sous une tension maximale, je n'en doute pas. Donc je quitte la salle et dès que vous en aurez terminé, quelqu'un revient me chercher. Merci, Monsieur le Président. Je vais donc mettre ce rapport au vote. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Merci beaucoup.
Bon, on me fait part d'une unanimité. Moi, ça m'était jamais arrivé d'avoir un compte administratif à l'unanimité, alors bravo, monsieur Perrin. Je retrouve la bonne page. C'est décision modificative numéro 1, non ? Ah oui, exact. Alors, page dans mon document papier. Donc, question d'affectation du résultat. Donc, vous le voyez, un résultat tout à fait conséquent à hauteur de 38 et quelques millions. Alors, attendez, pour le budget principal, 47 973 314 donc, de recettes de fonctionnement en ligne report et en recettes d'investissement, 113 801 561 31. C'est revenu. Donc, affecter le résultat excédentaire de la section de fonctionnement qui s'établit à un petit peu plus de 161 774 000 euros de la façon suivante, 113 801 000 et quelques centaines d'euros aux besoins de financement dégagés par la section d'investissement pour la rééquilibrer, 47 973 000 euros, et c'est ça l'excédent net disponible en fonctionnement reporté, et d'inscrire les crédits suivants en décision modificative, donc 118 801 565 en recettes d'investissement, 47 973 000 euros et quelques en recettes de fonctionnement sur la ligne 002, et on a des opérations de même nature sur le budget annexe de la gestion locative des bâtiments biotechnologie. Alors là, bien sûr, ce sont des montants sans aucune mesure, de l'ordre de 66 228 € pour financer la section d'investissement. Et donc, c'est équilibrer cette section. Et sur le budget annexe biodiversité et paysage, un résultat excédentaire de 10 742 000 euros. Alors, je rappelle, c'est un budget en devenir qui est de création récente en 2020 et qui va monter en régime rapidement. Et là aussi, 2 869 000 pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement, 7 873 000 pour de l'excédent de fonctionnement reporté. Est-ce qu'il y a sur ces décisions d'affectation du résultat des demandes d'intervention ? Bon, je souligne leur caractère exceptionnellement élevé, bien sûr, pour le budget principal. S'il n'y en a pas, je mets au vote. Y a-t-il des personnes qui ne prennent pas part au vote, s'abstiennent, votent contre ? Unanimité. Le rapport suivant porte sur, c'est un exercice auquel on procède régulièrement, des admissions en non-valeur et des créances éteintes. Alors, pour un montant total de entre les admissions en non-valeur pour 207 000 euros et quelques et les créances éteintes 26 000 euros, ça fait 233 377,83 euros. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Il n'y en a pas. Je mets le rapport aux voix. Y a-t-il des personnes qui s'abstiennent, votent contre, donc ne prennent pas part au vote ? Unanimité. Le rapport suivant porte sur la formule est toujours un petit peu, un peu surannée, on va dire, des remises gracieuses de dette à hauteur de 518 euros et quelques propositions de refus qui ont été validées par la commission compétente. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Des personnes qui ne prendraient pas part au vote s'abstiendraient, voteraient contre. Donc, adopté à l'unanimité. La décision suivante, le rapport suivant, on l'a évoqué, mais on va en reprendre les grandes lignes. Il s'agit donc de cette décision modificative numéro 1 avec un petit diaporama là aussi. Donc l'élément majeur, 48 millions de reprises d'excédents reportés.
La proposition qui est faite, et je crois que bon, M. Breton l'a évoqué, elle semble prudentielle, c'est-à-dire de procéder à un abattement significatif de la prévision, on est au mois de juin, de rentrée de droits de mutation en cas de dégradation ou de poursuite d'éléments liés à la difficulté de construction, difficulté d'approvisionnement, raréfaction de matériaux, donc un abattement de l'ordre de 20 millions d'euros. Les dépenses que l'on prend en compte à hauteur d'environ 13 millions d'euros, donc deux grands secteurs, la protection de l'enfance avec d'ailleurs une partie des mesures qui ont fait l'objet du rapport précédent et qui sont en cours de déploiement, il faut en mesurer l'effet année pleine, et également la question des ressources humaines, où là nous avons le financement de l'ensemble de ce que nous avons décidé hier, et il reste bien sûr, et là ce serait l'objet d'une décision modificative numéro 2, selon la quotité de revalorisation du point d'indice, donc là nous n'avons pas traité le sujet, nous l'avons simplement pris à la base, mais nous savons que s'il fallait abonder, eh bien, ce sera un complément qu'il faudra apporter dans ce cadre-là, et le quatrième élément de... Bon, quelques compléments d'investissement liés, ce n'est pas des opérations nouvelles, mais c'est plutôt une accélération par rapport à des prévisions dans la réalisation d'opérations en cours et une réduction importante hein, de près de 20 millions d'euros du recours prévisionnel à l'emprunt, ce qui répond aussi à la question que posait Louis Potrel à l'instant. Et donc, un nouvel équilibre budgétaire qui fait que, à ce jour, la projection serait à un excédent de l'ordre de 40 millions d'euros, mais on a toujours fait mieux au final qu'au moment de la provision, parce que bon, je dirais qu'on essaye d'imaginer le pire sur les recettes et un peu aussi le pire sur les dépenses, c'est ce qui fait que comme on n'a jamais les deux en même temps en général, ça dégage en réalité un excédent supérieur. Et donc, le nouvel emprunt d'équilibre avec cette maquette-là permet d'être réduit de 18,4 millions d'euros. Et là, vous avez le tableau final, le nouvel équilibre général après cette décision modificative avec les différents. Et là aussi, un volume prévisionnel d'emprunt qui reste autour de 98, mais dont on sait qu'il sera, comme tous les ans, bien inférieur, parce qu'on le recalera en fonction du besoin réel de financement et du taux d'exécution des dépenses d'investissement. Et l'affectation, là, donc, je le disais tout de suite, protection de l'enfance, personnel, Ségur, crédit d'accompagnement complémentaire, notamment en lien avec le FSE pour l'accompagnement vers le retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active et des investissements complémentaires qui ont été un petit peu plus vite que ce qu'on avait pu imaginer, notamment dans le secteur des établissements sanitaires et sociaux. Voilà les principaux, les éléments saillants de cette décision modificative. Donc, je pense qu'on peut la qualifier de prudentielle en privilégiant l'hypothèse d'une baisse de DMTO et en réduisant de façon substantielle le recours à l'emprunt, tout en apportant des réponses au secteur en tension actuellement, protection de l'enfance et secteur ressources humaines. Sur cette décision modificative, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Il n'y en a pas. Je vais donc la mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne prennent pas part au vote, qui s'abstiennent, qui votent contre ? Alors, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22. Bien, donc le rapport est adopté. Alors, qu'est-ce qui me reste ? Oui, donc pour nos collégiens, on leur a dit qu'on décalait d'un petit quart d'heure, ce qui nous permet de poursuivre sur l'enchaînement des rapports. Donc les différents rapporteurs, bien sûr, vont tous le faire de la façon la plus compacte qui soit. Le rapport suivant, c'est une information sur l'utilisation des crédits mobilisés
dans le cadre des dépenses imprévues. Donc, vous voyez quelque chose de très ponctuel et limité et qui était lié à la mobilisation de crédits en urgence sur l'Ukraine et l'affectation de 50 000 euros au titre du FACECO, décision qui avait fait l'objet d'un vote unanime. Donc, c'est une information. Le rapport suivant, Madame Bouton, donc dans cet esprit de synthèse pour tenir la cadence. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, donc le rapport 22 est un point d'étape sur le budget participatif et les instances de suivi. En session d'avril, il y a eu la validation des grandes orientations. Depuis, nous avons travaillé sur un projet de règlement du budget participatif et sur la définition des instances. Les différentes instances sont des instances de suivi et ne sont pas amenées à émettre un avis sur la pertinence des projets proposés. Tout d'abord, la commission d'élus. Elle sera composée du président ou de son représentant, de 6 élus de la majorité et 4 élus de la minorité. Elle travaillera aux modalités de diffusion et de mobilisation sur les territoires. Elle sera informée de l'avancement des grandes étapes du budget participatif. Une première réunion de la commission se tiendra début juillet afin que le projet du règlement du budget participatif puisse être explicité, discuté et validé. La commission citoyenne, elle sera composée de 12 brétiliens volontaires tirés au sort à parité. Nous allons étendre à 18 voire 24 pour permettre d'avoir au moins 12 participants à chaque réunion. Elle mènera l'évaluation du premier budget participatif. Elle sera consultée en présence de cas non prévus par le règlement, s'il y en a. Elle pourra attribuer 3 coups de cœur avant le vote citoyen qui seront tagués sur le site « Je participe ». Cette commission aura donc un regard extérieur par rapport à l'institution. Cela nous permettra d'aller au bout de notre démarche pour impliquer les citoyens. Le comité de suivi. Il sera constitué de la vice-présidente à la démocratie participative, d'un membre du cabinet, du secrétaire général, du DGS et des référents des services en agence et par thématique. Il sera garant du règlement et il veillera à la cohérence des projets avec la politique portée par le département ainsi que le rapport aux autres politiques de financement. Pour rappel, il y a plusieurs phases dans le budget participatif. Le budget participatif départemental permettra aux Brétiliens de proposer des projets dans le champ des compétences du département. Les services analyseront la faisabilité des projets selon le règlement défini. Les Brétiliens et Brétiliennes voteront pour les projets retenus qui seront déclinés sur la plateforme Je participe. Les citoyens sont au cœur du processus et les services seront là pour les accompagner. Les élus seront les ambassadeurs du budget participatif sur les territoires. Ils ne pourront pas porter un projet plutôt qu'un autre. Concernant le calendrier prévisionnel, le dépôt des idées sera lancé début décembre pour permettre un décalage temporel, par rapport au budget participatif rennais qui sera lancé en octobre. En janvier, des ateliers auront lieu dans les territoires d'agence afin d'aider les citoyens et citoyennes qui le souhaiteront à formaliser leur idée. L'analyse se fera au fil de l'eau dès le dépôt des idées, mais nous nous réservons 3 mois et demi entre la clôture du dépôt d'idées et l'ouverture du vote pour finaliser l'analyse, donc avec les communes dans certains cas, afin de soumettre au vote des projets réalisables. Le vote citoyen, à partir du 1er juin et pendant un mois, il permettra aux porteurs de projets de faire campagne sur les réseaux sociaux notamment. L'annonce des projets lauréats aura lieu début juillet 2023. Concernant les grandes orientations du budget participatif, les points marquants du règlement sont un budget de 2 millions d'euros qui sera réparti en 6 parts égales par territoire, soit 333 000 euros. Tous les Brétiliennes et Brétiliens, à partir de 16 ans, pourront déposer un projet et voter pour des projets. Le budget participatif portera sur l'ensemble des compétences du département et les idées devront relever de l'intérêt général, engendrer une dépense d'investissement et se concrétiser en Ille-et-Vilaine. Je vous remercie. Et on va avoir à constituer, donc il y a une liste, je pense, de personnes qui a dû être recensées, dont étant précisé que Mme Bouton sera ma représentante, donc il doit rester 10 personnes, je pense, à lister. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Ah, voilà, on me donne cette liste. Bien, je vais peut-être la rappeler.
Alors, il y aurait pour Monsieur Lenfant, Madame Mestri, Monsieur Guéret, Monsieur Denez, Monsieur Perrin, Monsieur Pichot, Madame Ferré, Monsieur Houillot, Monsieur Lemoyle et Madame Salio. Est-ce que c'est conforme au chacun s'y retrouve? Donc voilà les 10 noms qui ont été enregistrés. Qu'il y a. Oui, Monsieur Potrel. Oui, Monsieur le Président. Bon, je vais essayer de faire court. Je remercie la rapporteuse, Madame Bouton, pour sa présentation de ce dossier. Il a fallu faire vite. J'ai deux remarques à faire par rapport à la présentation de ce dossier. La première, le budget est relativement important, conséquent. Et bon, ça interroge. Vous avez évoqué hier dans un certain nombre de débats la nécessité de veiller aux dépenses de notre collectivité. La somme n'est pas totalement anodine. Et la deuxième chose, c'est la mise en place de ce budget participatif. On se pose des questions sur la mise en œuvre de ce budget participatif. Et je me retourne à la fois vers Madame Bouton et Monsieur Perrin. On aurait peut-être pu aller à l'intérieur du contrat de territoire. Alors, le volet 4 a été supprimé, mais parler d'un volet 5 autour de ce budget participatif. Les EPCI aujourd'hui ont des conseils de développement qui travaillent, qui se réunissent un certain nombre de fois dans l'année. Et je pense qu'il aurait pu être positif, être bon, de mettre à l'intérieur de ce contrat de territoire cette volonté de faire participer nos citoyens et de les associer à des financements de projets. Et on aurait eu cette proximité. S'il y ait un comité départemental qui recueille les avis, les demandes, les propositions des EPCI, pourquoi pas. Mais je pense qu'on rate quelque chose en ne mettant pas à l'intérieur des territoires cette concertation, ce débat pour favoriser les propositions des territoires et surtout des habitants. Voilà, Monsieur le Président. Bon, on peut entendre cela. Simplement, l'objet est quand même un petit peu différent. Et les contrats de territoire ont déjà une logique, une mécanique, une histoire, un mode de fonctionnement. Là, je crois que c'est quand même un autre sujet qui est d'élargir potentiellement la base de l'implication citoyenne en la reconnaissant comme telle, alors que le portage des contrats de territoire est quand même d'abord et avant tout, et ce n'est pas illégitime, un portage par des élus des territoires dans leurs responsabilités respectives, communautaires. Ça n'empêche pas qu'il y ait des comités consultatifs, que des membres de comités consultatifs puissent faire des suggestions dans le fonctionnement que l'on mettra en place. Alors, nous nous sommes aussi un peu documentés sur les quelques expériences conduites et ils montraient qu'il fallait mieux disjoindre les choses dans les départements qui ont réussi à avancer un petit peu dans ce domaine-là. Par ailleurs, en toute évidence, de toute façon, ne se feront que des projets par rapport à la question budgétaire, que des projets d'intérêt général validés qui apportent un plus au territoire et qui ont une utilité. On ne laissera bien sûr jamais mettre en œuvre des choses qui nous sembleraient à l'opposé complet de nos politiques publiques. Il faut plutôt le voir comme un plus, mais dont on délègue la phase de conception et d'animation aux citoyens en direct. Et la volonté déjà de proximité, on aurait pu avoir un projet unique, c'est la territorialisation déjà, 6 projets, et vous noterez que le fait de faire 6 parts égales avantage quand même beaucoup plus les territoires à faible population qui auront la même quotité que le territoire de Rennes Métropole, qui pour certains d'entre eux est 10 fois plus peuplé. Alors, Monsieur Pichot. Oui, juste un rapide mot par rapport à ce que vient de dire aussi Monsieur Potrel, que je ne partage pas forcément. Moi, je pense qu'on va parler de budget aussi. 2 millions d'euros, c'est vrai que c'est une somme, mais je crois que c'est en même temps aussi une somme à l'échelle du département. Quand on regarde les villes qui font des budgets participatifs, on est sur des sommes qui sont des fois sur des proportions des fois plus hautes. Et je crois que chacun peut jouer son rôle là-dedans. On a un devoir, toutes et tous, je pense, d'intéresser nos concitoyens à ce qui se passe sur nos territoires,
à les inciter à comprendre aussi mieux la question de l'action publique et la prise en compte de ce rôle par les habitants peut être aussi intéressante, parce que c'est pas seulement demander un projet qui permet de dire je voudrais une résolution à un problème, c'est aussi travailler sur l'intérêt général, et je crois qu'on a tous besoin. Donc moi je trouve que c'est au contraire extrêmement intéressant. Je pense qu'on a toutes et tous l'intérêt aussi de développer au plus près des habitants, que ce soit à l'échelle communale, intercommunale ou départementale, toutes ces formes de participation citoyenne. Merci, Madame Bouton. Juste un point pour rebondir, c'est ce que je voulais dire à plus ou moins Franck. 2 millions d'euros, c'est sur 2 ans, donc 1 million d'euros par an, mais on a concentré sur 2 ans pour pouvoir mener à bien quelque chose de propre. Et il faut savoir, par exemple, que le budget participatif de la ville de Rennes est à 3,5 millions d'euros, si je ne m'abuse. Donc, nous sommes dans une rigueur maîtrisée du budget participatif pour le département. Alors, je précise aussi, avant de passer au vote, que nous n'imaginons pas aujourd'hui avoir un produit clé en main, finalisé, stabilisé. Et que le rôle de ce comité, de cette commission, sera de l'enrichir, de le faire évoluer. On expérimente. Donc peut-être qu'il y a des endroits ou des questions qui arriveront, mais justement d'avoir ce comité de pilotage. Et s'il y avait des modifications substantielles, eh bien, ça reviendra pour, par exemple, que la commission permanente puisse modifier telle ou telle chose. Mais je pense que la pluralité de la composition de la commission doit aussi permettre de veiller à cet équilibre-là, puis surtout à cette efficacité. Alors, je vais mettre ce rapport aux voix. Y a-t-il des personnes qui... Et donc, sa composition, hein, je ne rappelle pas les 10 noms qui ont été cités, mais enfin, ce sont bien ceux-là. Donc, y a-t-il des personnes qui ne prennent pas part au vote, qui s'abstiennent ou... Alors, 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 22 abstentions. Bien, alors le rapport suivant, il faut juste procéder à la désignation ou au remplacement ou à des permutations dans différentes instances. Donc pour résumer, il s'agirait de que M. Marchand puisse siéger au conseil d'administration de l'agence de développement touristique en lieu et place de M. Perrin, que M. Perrin puisse siéger au comité d'évaluation des politiques publiques en tant que titulaire en remplacement de M. Soulabaye, et que M. Soulabaye le remplace en qualité de suppléant, de désigner Mme Courtinier pour siéger au comité de pilotage du suivi du contrat de santé du pays des Fougères, enfin, Quénon, Marche de Bretagne et Fougères Agglomération, et enfin que Mme Comocoli et Mme Guiblin puissent siéger au conseil de famille des pupilles de l'État. Donc il n'y a que 2 places. Oui, M. Trail et Mme. Oui, le contrat local de santé, c'est quelque chose d'important. Dans le nom, il y a local. Moi, je trouve dommage qu'il n'y ait pas de représentant du pays Fougère, parce que ça nous concerne encore plus. Je souhaite un prompt rétablissement à Mme Courtinier, mais l'absente. Si vous ne voulez pas nous mettre titulaire, la moindre des choses, ça serait de désigner quelqu'un pour la suppléer. Parce que la santé, ça fait partie des préoccupations du quotidien de nos habitants. Et on ne peut pas... J'étais prêt à vous écouter, mais évitez les formules « la moindre des choses », s'il vous plaît. Vous ne me faites pas d'injonction et on discute. Et là, je discute. Mais si vous me dites « la moindre des choses », je n'ai pas envie de dire oui. Bon, ça se discute. Ça dépend aussi du ton et de la mimique. Bon. Par rapport à ça, nous avons demandé, parce que c'est Quénon Marche de Bretagne qui, pour l'instant, nous a demandé de ne désigner qu'une personne. On leur a dit que si eux acceptaient l'idée qu'il y en ait une seconde, il n'y a pas de problème. Donc, si j'ai une demande qui m'est transmise de Quénon Marche de Bretagne, on reviendra sur ce point et on désignera un suppléant. Je prends l'engagement très publiquement, mais aujourd'hui, c'est eux qui ont la main et ils nous ont dit « proposez-nous un siège ». Mais sinon, c'est acquis que le second serait pour un représentant de la minorité. Alors, Madame Guy. Oui, ça ne sera pas moi, mais Jeanne Ferret, puisque je siège déjà au premier conseil des familles, enfants, pupilles de l'État. Et donc, ce sera ma collègue Jeanne Ferret qui siégera au deuxième. On va faire la correction. Madame Salio.
Merci. Oui, et moi, très sincèrement, je suis vraiment intéressée par ce contrat local de santé sur Fougères et Couesnon-Marche de Bretagne. Voilà. Merci. Alors, oui, mais on ne peut pas procéder aujourd'hui à la désignation. Il faut d'abord que Couesnon-Marche de Bretagne nous dise qu'ils acceptent. Et sinon, moi, je n'aurai aucune objection à ce que ce soit vous, mais il faudra que votre groupe nous le proposera très certainement quand on aura à redélibérer sur ce point. Mais après, vous pouvez avoir des discussions en interne sur qui va où, et là, je ne veux pas m'ingérer dans ces discussions. Bien, donc au vu de ces éclaircissements et sur ces bases, je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des personnes qui ne prennent pas part au vote, qui s'abstiennent, qui votent contre? Et dès qu'on a les éléments de Couesnon-Marche de Bretagne, à la prochaine session, on complétera si c'est possible. Et enfin, dernier rapport, alors un rapport qui m'est cher, mais il m'est tellement cher que je ne peux pas le présenter moi-même parce qu'ayant cette casquette aussi au SDIS, je propose que Mme Mestri présente le rapport qui règle la question de la répartition financière de l'aide de l'État à nos deux entités via la campagne de vaccination sur le site Poirier. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je comprends la double charge qui me pèse. Allez vite, montrer l'attachement du département et du SDIS à travailler ensemble et représenter fièrement le Président qui a donné tout son sentiment sur le sujet. Le rapport que je vous présente aujourd'hui illustre parfaitement la capacité et la volonté du Conseil départemental et du SDIS de répondre rapidement et efficacement à la crise qui nous touche et qui nous touche malheureusement encore. Un dispositif dont nous pouvons collectivement, nous élus et services, être fiers. Petit rappel rapide, avec le vaccin mobile, du 15 février au 9 avril, le SDIS 35 a répondu et a participé à la vaccination de la population en déployant une méthode mobile, un véhicule qui allait vers les populations et qui permettait, de façon limitée mais tout de même, de proposer 40 vaccinations par jour. C'était là une première ébauche de la collaboration entre le SDIS et le département, puisque des moyens conjoints étaient mis à disposition de ce dispositif. Face à l'ampleur de la crise, le gouvernement a décidé en avril 2021 de monter en puissance et a demandé la mise en place de centres de vaccination de grande capacité. Dans ce contexte d'intensification de la vaccination, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donc demandé au SDIS 35 de proposer une solution pour mettre en œuvre un centre de vaccination de grande ampleur capable de réaliser 1 000 injections par jour en première intention, puis de monter progressivement pour arriver à 3 000 par jour. Le centre de vaccination Robert Poirier, d'une superficie importante, figure dans le contrat territorial de réponse au risque et permettait les conditions nécessaires pour organiser ce centre de vaccination. Une convention a été donc mise en œuvre pour permettre l'ouverture dès le 7 avril 2021 de ce grand centre de vaccination. Quelques chiffres rapidement pour rappeler ce qu'a été ce centre de vaccination. Il a donc été ouvert du 7 avril au 23 octobre 2021 en proposant dès l'ouverture 1 000 injections par jour, portées à 1 400 dès 15 jours les 15 jours suivants, pour arriver à 3 200 injections par jour dès le mois de juillet. En 7 mois d'ouverture, 356 000 injections réalisées, grâce à une mobilisation exceptionnelle de tous les personnels du SDIS et du Conseil départemental. 140 personnes mobilisées ont été recrutées spécifiquement en contrat à durée déterminée pour venir compléter les 710, pour former une cohorte complète de 710 agents différents qui sont intervenus au moins une fois pour le centre de vaccination. Parmi ceux-là, des médecins de protection maternelle et infantile, des personnels de santé non médecins, des personnels administratifs, des agents techniques. Chaque jour, 20 agents du département sont intervenus pour faire fonctionner le centre. À des moyens qui étaient ajustés chaque jour en fonction du nombre de vaccinés et du nombre de personnes et de rendez-vous programmés. Le bilan financier de ce centre de vaccination a été établi pour permettre une répartition des sommes engagées par chacun, que ce soit le SDIS ou le département, chacun ayant tracé ses dépenses.
Conformément à la convention qui avait été signée entre l'État et le SDIS a perçu une recette de l'État de 3 646 512 euros, pour compenser les dépenses engagées par les entités organisatrices des centres de vaccination. Concernant les dépenses directes, je croyais que M. de Gouvion voulait parler. Concernant les dépenses directes, celles-ci ont été constatées de façon plus importante au SDIS, puisque la mobilisation des agents, les personnels du SDIS ont été plus importantes, ainsi que la fourniture de repas et de consommables. L'estimation pour les personnels était d'1 259 000 et concernant les consommables divers, 491 700 euros. Les dépenses indirectes, quant à elles, concernent majoritairement la mobilisation des personnels permanents du SDIS et du département pour l'organisation et le pilotage de ce dispositif. S'y ajoute également la mobilisation des personnels de santé médecins et non-médecins qui ont pu être ceux des CEDAS pour assurer, et de nos services administratifs pour assurer la saisie administrative. Celles et ceux qui ont pu fréquenter le centre de vaccination voient très bien de quoi il s'agit. Au regard du bilan qui a été établi, sur le coût complet de la vaccination, le coût estimé est donc de 3 882 412 euros, dont 3 020 700 euros pour le SDIS et 861 712 euros pour le département. Au regard de la mobilisation et de l'impact que ça a eu sur les services du département, le constat est que le département, les effets sur les agents sur le service du département, a été moindre que celui du SDIS. Aussi, il est proposé de fixer le remboursement du SDIS au département à hauteur de 560 000 euros, déduction faite de la mobilisation des agents administratifs volontaires, selon les termes de la convention qui vous avait été jointe. Voilà, Monsieur le Président. Bien, merci. Est-ce qu'il y a sur cette convention, qui a reçu l'accord après négociation, bien sûr, des deux parties concernées, des observations, donc des moyens, bien sûr, extrêmement importants, mais bon, une juste restitution, quand c'est le cas, je le dis. Il n'y a pas de demande d'intervention, des personnes qui ne prennent pas part au vote s'abstiennent, vote contre, donc la convention financière est adoptée. Il reste juste, Madame Rousset, un vœu. Qui a été examiné et qui, après échange, me semble-t-il, a donné lieu à un avis favorable unanime dans sa réécriture. Oui, tout à fait. Un vœu présenté par Louis Potrel relatif à la présence et au point de vente de la SNCF, qui est cohérent avec notre projet mobilité qui laisse de la place à la diversité des modes de transport. Le vœu, vous devez l'avoir dans Idélib. Il est formulé à la SNCF pour veiller au développement du transport ferroviaire en Ille-et-Vilaine en garantissant le maintien de ses lignes et de ses dessertes. Et puis, on demande aussi que la société SNCF s'investisse plus durablement au sein de nos territoires en garantissant le maintien de lieux d'accueil, mais aussi de guichets et de boutiques essentiels pour l'ensemble des habitants du territoire. Il a été en effet voté à l'unanimité en commission 1. Bien, merci. Donc aujourd'hui, il s'agit de confirmer ou pas les résultats des échanges en commission 1 et qui concluaient à l'adoption de ce rapport. Et c'est donc la proposition que je vous fais donc de l'adopter. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des personnes qui ne prendraient pas part au vote ? S'abstiendrait. Donc, ce vœu est adopté à l'unanimité. Merci. Donc, il marque la fin de ce temps de séance, alors de session. Il y a donc aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir. Ils ont été patients, on a un petit peu débordé sur les temps, mais je pense que c'était plus simple aussi de traiter tous les dossiers ce matin sans avoir à revenir en début d'après-midi. Donc, nous allons accueillir les collégiens de Chartres de Bretagne. Donc, on va. Ils arrivent, ils doivent être très impatients. Et après, nous aurons l'Assemblée générale des anciens conseillers généraux et départementaux pour les plus récents d'entre eux.
Donc, je vous propose de regagner vos places pour écouter nos invités. Alors, je les salue, je les remercie de leur patience. Nous avons un petit peu débordé, mais c'est aussi bien le propre d'une assemblée où on peut délibérer, échanger et où chacun a possibilité de s'exprimer, de poser des questions, de recevoir des réponses. Et puis, nous devons aussi voter nos décisions les unes après les autres. Alors, juste un petit mot d'explication, mais j'imagine que vous l'aviez deviné, le décor de cette assemblée particulier, parce que nous avions l'honneur de recevoir, c'était vendredi dernier, avec Jeanne Larue, la vice-présidente déléguée à l'éducation, eh bien, un panel de collégiens issus, je crois, de 8 établissements différents du département, qui s'étaient tous inscrits dans des dispositifs Erasmus+, qui tendent justement, avec une mobilisation importante de financement européen, eh bien, à avoir ces possibilités d'échange, de découverte à cette échelle-là. Et donc, la coloration de cette assemblée, j'avais trouvé que le décor qui avait été mis en place vendredi était très symbolique et qu'on pouvait donc le renouveler aujourd'hui pour ce temps d'échange et de partage. Donc, je ne vais pas être plus long. Je passe la parole à Jeanne et puis qui elle-même, eh bien, après, déclinera les opérations. Mais pour dire que je crois que c'est vraiment une très belle action éducative, citoyenne, tourner vers l'écologie, vers l'avenir et vers la jeunesse. Et donc, c'est vraiment un très, très beau projet. Et on laissera bien sûr à ceux qui l'ont vécu le soin de nous le décrire. Madame Larue. Oui, Monsieur le Président. Donc, je souhaite à mon tour la bienvenue à ces collégiens que nous commençons à connaître, puisque nous sommes déplacés au Collège de Chartres pour voir leur exposition et que, vous l'avez rappelé, nous les avons déjà reçus dans cette assemblée. Je vais sans plus tarder leur laisser la parole. Je crois qu'on doit les guider vers la tribune. Et ce sera beaucoup plus intéressant que ce que j'ai à dire. Merci. Bonjour à tous. Je suis professeur au Collège de Chartres de Bretagne depuis quelques années, 1985. Et j'ai vécu là, effectivement, le plus abouti des projets pédagogiques humains également. Et je vais vous en dire quelques mots. Ensuite, ce sont nos élèves qui vont en parler et je crois qu'ils en parlent très bien. Donc, c'est un projet qui est né il y a à peu près 4 ans. Ma collègue Julie Vigneault de sciences physiques a pris contact avec l'équipe Greenlandia. Alors Greenlandia, on vous a peut-être déjà distribué une petite plaquette, donc je ne vais pas trop détailler. C'est une initiative française à la fois pédagogique, scientifique et documentaire autour du dérèglement climatique, de ses conséquences au Groenland et de la résilience des Inuits, c'est-à-dire leur façon de s'adapter à ces changements. Donc, ces contacts, il y a 4 ans, nous ont conduit à bâtir un projet pédagogique, donc pendant à peu près 1 an et demi avec l'équipe de Greenlandia, pour aboutir depuis 2 ans à ce travail avec les élèves. Alors, c'est un projet riche en rencontres, en apprentissage et en engagement des élèves autour de cette thématique du réchauffement climatique. D'abord, je vais vous parler un petit peu des rencontres. Alors, bien évidemment, il y a la rencontre avec les Groenlandais qui s'est faite d'abord par visio, puis en direct lors de l'expédition, mais aussi avec une 20aine de spécialistes, des scientifiques, des professionnels, des artistes. Ça vous montre un petit peu toutes les dimensions de ce projet, qui n'est pas seulement scientifique humaine, mais qui est également qui couvre également d'autres champs des apprentissages que nous devons à nos élèves. Un projet riche en apprentissage. Alors, je ne vais pas les détailler puisque il y a eu 23 temps forts sur ces 2 années, avec des rencontres avec des scientifiques, des spécialistes, notamment des anthropologues, ethnologues. Comment il s'appelle déjà, Pierre Saint-Joff, c'est un géologue, paléoclimatologue, et puis des gens qui sont historiquement reliés au Groenland. On a eu, par exemple, un lien avec Anne-Manipou Charcot, l'arrière-petite-fille de Jean-Baptiste Charcot. Troisième élément, l'engagement de nos élèves. Donc, c'est un engagement, on les a appelés les ambassadeurs de Greenlandia. Effectivement, on est la classe ambassadrice de Greenlandia pour ces 2 années-là. Il y en aura d'autres après nous.
Et ce rôle d'ambassadeur, il est important. Ce n'est pas simplement comprendre, apprendre, c'est aussi retransmettre. Et nos élèves l'ont très bien fait par différents moyens. D'abord dans les médias. Hein, il y a eu 7 passages dans des émissions de télévision, 3 passages radio, 16 articles de presse parus notamment dans la presse régionale. Ils ont également joué ce rôle sur nos propres médias, hein, le site internet, et par l'intermédiaire de newsletters dont certains d'entre vous ont été destinataires. L'engagement de leur part a été également sur le domaine de l'organisation, puisque un projet comme ça qui aboutit à une expédition scolaire de cette ampleur, ça nécessite une préparation. Et ils ont fait partie des acteurs de cette préparation, que ce soit au niveau matériel ou au niveau financier. Ils ont travaillé à des autofinancements pour pouvoir compléter le financement du projet. Alors, je ne vais pas m'étaler trop longtemps, c'était une petite introduction, et je vais laisser la parole à Aël et Paul, qui vont vous faire une présentation qui va s'appuyer sur un diaporama autour des enjeux du dérèglement climatique. Bonjour, je m'appelle Paul et avec mon camarade Aël, nous allons présenter une partie de notre oral du DNB sur les conséquences du réchauffement climatique. Donc, nous allons d'abord présenter le projet. Ensuite, nous allons aborder le thème du changement climatique. Puis, nous allons parler des conséquences du dérèglement climatique et puis nous ferons la conclusion. Donc, si Greenlandia étudie la population groenlandaise, c'est parce qu'elle est beaucoup plus atteinte par le réchauffement climatique. Donc, Greenlandia explore, c'est-à-dire qu'ils comprennent la résilience des populations groenlandaises face à ce réchauffement climatique. Ils comprennent, donc ils donnent la parole à ces populations en première ligne atteintes. Ils sensibilisent aussi en transmettant les clés d'adaptation au réchauffement climatique aux générations futures. Le réchauffement climatique est donc 3 fois plus important au Groenland, puisque la glace qu'ils ne font normalement pas en été, à cause du réchauffement climatique, va se mettre à fondre et donc va libérer des gaz à effet de serre enfermés dans la glace et va augmenter encore plus ce réchauffement climatique et va provoquer une fonte encore plus accrue de la banquise qui constitue le sol du Groenland. Donc, comme si la terre chez nous se mettait à fondre ou à s'écrouler. Donc c'est quelque chose de très important. Le réchauffement climatique va aussi provoquer la modification des espèces animales, donc l'apparition de nouvelles espèces animales ou la disparition de certaines, et va aussi changer énormément le mode de vie des Groenlandais. Donc le réchauffement climatique est dû à l'effet de serre, donc on va vous expliquer comment marche l'effet de serre. Donc, c'est l'énergie solaire, donc les rayons du soleil qui vont être émises sur la Terre. Et la chaleur sur la Terre va être réémise jusque normalement dans l'espace. Et les gaz à effet de serre, donc le méthane, le dioxyde de carbone ou l'eau, va garder une partie de cette chaleur réémise par la Terre pour la garder dans l'atmosphère. Et donc, c'est grâce à ça qu'il fait 18 degrés sur Terre, et sans ça, du coup, il ferait moins 15 degrés et on ne pourrait pas vivre sur Terre. Et depuis l'industrialisation, donc depuis la pression de l'évolution de l'homme, l'homme dégage d'autant plus de gaz à effet de serre, et l'effet de serre est donc augmenté, et c'est à cause de ça que maintenant il fait 19 degrés, voire encore plus, et de plus en plus vite. L'effet de serre est donc d'origine naturelle, mais très fortement augmenté par l'homme. Donc, les activités humaines en effet du coup l'accentuent. Donc, voici un diagramme circulaire présentant la répartition des différents gaz à effet de serre par secteur d'activité. Donc, en première position, il y a l'énergie et les chaleurs avec 25%. Ensuite, l'agriculture avec les forêts, donc par exemple l'utilisation de pesticides à 24%. Ensuite, l'industrie, les transports, les autres énergies et les bâtiments. Donc, les conséquences du réchauffement climatique sont une augmentation accrue des catastrophes naturelles, donc des tempêtes, des raz-de-marée ou encore des séismes. Le réchauffement climatique va aussi provoquer un dérèglement de la biodiversité, donc, que l'on évoquera tout à l'heure, donc
la prolifération des espèces animales ou disparition. Le réchauffement climatique va aussi provoquer une difficulté dans la vie de l'homme et rendra le mode de vie de l'homme beaucoup plus compliqué et va réduire les terres habitables puisque quand la glace va fondre, va provoquer la montée du niveau de la mer. Donc, le changement climatique va donc mener à une augmentation des catastrophes naturelles. Donc, elles ont doublé en 20 ans. Et depuis l'an 2000, 7348 désastres naturels recensés, 1,23 million de morts et 4,2 milliards de personnes affectées. Donc, voici un histogramme qui présente l'augmentation des catastrophes naturelles de 1950 à 2012. Et nous pouvons voir que depuis 1996, on a subi un fort taux d'augmentation. Donc une des conséquences du réchauffement climatique est la modification de la biodiversité, puisque une haute chaleur va provoquer la destruction des habitats naturels des animaux et va compliquer leur mode de vie et leur survie, et donc aura pour conséquence que 90% des espèces endémiques terrestres et 95% des espèces marines seront affectées et certaines races animales vont être amenées à disparaître. D'autres vont proliférer ou de nouvelles vont pouvoir apparaître. Donc, une autre conséquence du réchauffement climatique est la difficulté pour l'homme à vivre au quotidien, puisqu'une haute chaleur va provoquer des maux de tête, des crampes musculaires, des boutons de chaleur ou encore des enflures ou même de la fatigue. Une haute chaleur va aussi provoquer des complications chez les personnes atteintes de maladies respiratoires, telles que l'asthme par exemple, ou l'apparition de nouveaux virus, ou même la prolifération de ceux-ci, par exemple, avec en ce moment le Covid-19, comme on peut le voir. Et une haute chaleur va aussi provoquer la déshydratation, l'insolation, ou même le malaise chez l'homme. Donc, le changement climatique va aussi mener à une montée des eaux. Donc, le niveau de la mer a augmenté de 23 cm depuis 1880. Il sera de plus en plus rapide car plus il fera chaud, plus les glaciers fondront vite. Et de nombreuses terres vont être englouties, telles que les pays à très bas relief, tels que les Pays-Bas. Donc, les conséquences directes du réchauffement climatique au Groenland sont la création très tardive de la banquise, qui rendra d'autant plus difficile le transport sur la banquise et les déplacements à chien traîneau ou à motoneige, par exemple, et donnera de la difficulté pour chasser ou aller à des points pour pêcher. Donc, nous avons terminé notre partie d'oral du DNB que nous avons présenté pour l'épreuve du DNB. Et nous allons laisser la parole à Elisa et à Boutaleb. Bonjour, ça marche. Bonjour, je me présente, je m'appelle Aboutaleb Elmahir, ambassadeur du projet Greenlandia au Collège de Fontenay. Et moi, Elisa, du coup, nous allons vous parler de l'expédition au Groenland qui s'est déroulée du 3 avril au 21. Donc là, je vais vous parler du trajet que nous avons emprunté d'ici à Itokortormit, qui est le village sur la côte est du Groenland. Donc, nous avions eu rendez-vous à 5h40 à la gare de Rennes, puis nous avons emprunté un train pour aller à Roissy-Charles-de-Gaulle pour ensuite prendre l'avion pour aller en Islande. Puis nous avons été hébergés une nuit en Islande, puis nous sommes donné rendez-vous le matin même pour aller à l'aéroport d'Itokortormit en avion. Et on a pris un hélicoptère pour aller jusqu'au village. Du coup, pour
se rendre au Groenland, d'Islande au Groenland. Nous avons apprêté un avion de 40 places puisque nous ne sommes pas partis seuls. Il y a certains Groenlandais qui sont venus avec nous. Au moment du départ, du coup, très tôt le matin, nous nous sommes rendus à la gare de Rennes afin de pouvoir partir à Paris et dire au revoir à nos parents. Puis le départ a commencé. Quand nous sommes arrivés tous ensemble à l'école d'Itokortormit, nous avons pu rencontrer tous les élèves qui étaient très excités de nous voir. C'était réciproque. Donc, on a pu discuter un peu avec eux, jouer, parler, apprendre à mieux à les connaître un peu. Et c'était bien. Tout au long du voyage, nous avons fait plusieurs activités comme des ateliers dessin et photographie. Afin de pouvoir dessiner certains paysages du Groenland ou sinon des activités communes avec les Groenlandais comme une construction d'igloo que nous n'avons pas pu achever ou des activités sportives comme du foot ou du ping-pong, mais ça a été annulé. Sinon, nous avons eu certains cours comme la biodiversité qui s'est déroulée avec Xavier Boujard, équipe pédagogique de Greenlandia, afin de pouvoir savoir la diversité au Groenland et en France. Nous nous sommes rendus aussi en chien traîneau pour aller voir un iceberg de 50 mètres de hauteur et 150 sous la glace. Nous avons fait la visite du village et nous avons pu voir la station météo, la station d'eau et d'électricité afin de savoir comment ils s'organisaient dans le village. Ou d'autres activités comme un tournoi d'échecs, de la luge où nous avons pu aussi voir des courses de chiens de traîneau au Groenland, où il y a les hommes, les femmes, les enfants et les couples. Ça se déroule sur 4 jours et le vainqueur est porté sur son traîneau par les personnes du Groenland. Ou sinon, nous avons pu voir le plus grand chasseur de Itokotormit qui est venu nous parler de la chasse et de son métier. Là-bas, on préparait notre propre nourriture, à part par exception. Parfois, il y avait le self qui nous préparait la nourriture. Donc, on s'est plutôt bien débrouillé, comme vous pouvez le voir en bas à gauche. Sinon, nous avons fait une chasse aux œufs avec les enfants inuits. Donc, c'était bien, c'était amusant. Ils sont régalés après. Le retour était assez émouvant. Donc, nous avons quitté le village inuit d'Itokortormit à l'après-midi. Puis nous sommes arrivés en Islande. Nous avons passé une nuit en Islande. Enfin, nous avons très peu dormi. Puis nous avons pris l'avion pour aller à Paris. Et c'est là que nous nous sommes quittés avec Xavier Boujard et Vincent Hiller. Vincent Hiller qui est le directeur du projet. Et comme vous pouvez le voir en bas à droite, les deux jeunes filles qui sont très émues d'avoir quitté ces personnes-là. Donc là, c'est une photo de nous sur la banquise. Donc nous tenons à remercier
le département d'Ille-et-Vilaine et Erasmus+, d'avoir pu financer cette incroyable expédition. Donc, je les remercie ainsi que mes enseignants et l'équipe pédagogique. Juste un petit mot avant d'accueillir les deux élèves suivants. Donc, la classe, c'est une classe de 25 élèves. 16 seulement se sont rendus au Groenland pour l'expédition. Et les autres élèves sont restés au camp de base, le camp de base étant notre collège. Et ils ont eu un rôle important à jouer. Ils vont vous en parler. Bonjour à tous. Je m'appelle Élise et voici Ezoane. Nous avons tous deux participé au projet Greenlandia, mais nous ne sommes pas partis en expédition. Donc, nous allons pouvoir vous parler du camp de base. Le camp de base désigne les élèves restés en France. Nous servions de transmetteurs entre les élèves partis et le public. Chaque jour, les élèves de l'expédition rédigeaient des résumés de leur journée et nous envoyaient des photos. Et nous devions ensuite reformuler ces textes et trouver des photos en lien afin d'alimenter le site du collège. Et nous faisions également une newsletter par jour durant toute la durée de l'expédition. Et durant la semaine d'école, nous avons pu réaliser deux visioconférences avec les élèves de l'expédition pour qu'ils nous parlent de leurs sentiments et de leurs premiers ressentis face au paysage du Groenland. Je vais maintenant laisser la parole à Ezoane. Merci. Bonjour, moi je vais vous parler du jeudi 7 avril, qui représente le cinquième jour de l'expédition, pour les élèves partis. Ce jeudi, nous avons été voir l'exposition Arctic Blues au Champ Libre à Rennes, où nous avons pu réaliser plusieurs activités, notamment une chasse au trésor, et où nous avons aussi pu écouter dans un dôme sonore une musique réalisée à partir des bruits captés au fond de la mer. En Arctique. Même si nous n'avons pas eu la chance d'aller au Groenland, on avait quand même un emploi du temps aménagé, ce qui nous a quand même permis de profiter de cette semaine. Je vous apporte une toute petite précision sur nos élèves qui sont partis au Groenland. Donc 16 d'entre eux sont partis, comme l'a dit Étienne Valger. Ce sont tous les élèves qui voulaient partir qu'on a emmenés. Donc on est très contents de ça. À la base, on avait dimensionné ce voyage pour emmener 15 élèves du fait des rotations d'hélicoptères qui complexifiaient un peu la fin du trajet. Et un 16e élève a émis le souhait d'aller passer 18 jours au Groenland. Et donc, on a réussi à emmener tous les élèves qui étaient partants pour faire ce voyage. Voilà, je trouve que c'est important de le dire. Je laisse la parole à Samuel, Alexandra et Julie. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter du coup ce que le projet nous a apporté et je vais vous passer une petite vidéo du coup d'un élève qui n'est pas là aujourd'hui. Il est malade mais du coup on va voir au tout début du projet ce qu'il en pensait. C'est loué. Voilà. Donc le projet nous a apporté des connaissances grâce aux scientifiques qui ont intervenu pendant les 2 ans du projet comme un géologue. Ça nous a aussi apporté des rencontres, donc avec les Groenlandais lors du voyage, de l'équipe Greenlandia, donc où on a gardé contact jusqu'en fin d'année, où on espère les revoir l'année prochaine si c'est possible. Et ce projet nous a aussi apporté de la maturité pour la plupart d'entre nous. Et du coup, je vous laisse regarder la petite vidéo de l'élève absent aujourd'hui.
Alors, sa petite vidéo, c'était un clin d'œil. En fait, ça nous avait fait beaucoup rire avec les élèves quand on était retombés dessus par hasard. C'est une vidéo qui avait été prise en début d'année de quatrième, donc il y a un an et demi de ça. Et en fait, ce qui nous avait fait beaucoup rire, c'est la différence physique entre le Elouen de début de quatrième que vous allez découvrir sur la vidéo et le Elouen à l'heure actuelle, qui est malheureusement malade. Voilà, il était vraiment gêné et déçu de ne pas pouvoir venir aujourd'hui. Il nous a annoncé ça hier soir, mais c'était un petit clin d'œil. Et c'est pour montrer aussi que ce projet, il est beau parce qu'il s'est inscrit dans la durée, durant 2 ans. Et que pendant ces 2 années, on a vraiment fait plein, 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 plein de choses. Et effectivement, les élèves ont mûri, tous, certains plus que d'autres. Alors toi, qu'est-ce que tu aimerais faire au travers de ce projet ? Moi, j'adorerais aller au Groenland, rencontrer les gens sur qui on a travaillé et voir à quoi ça ressemble vraiment. Tu penses que ça sera faisable d'aller au Groenland ? Il faudrait réussir à avoir des sponsors et gagner assez d'argent et je pense que ce serait possible. D'accord, on verra bien. Peut-être rendez-vous l'année prochaine. Elouen, alors toi, qu'est-ce que tu... Donc voilà, il disait qu'il y croyait, mais au fond, comme il nous a expliqué il n'y a pas si longtemps que ça, quand on a redécouvert la vidéo, il ne s'est jamais imaginé, avant qu'on nous dise qu'on pouvait partir, que c'était possible d'y aller, en tout cas au Groenland, car c'était assez inaccessible, à part avec ce projet-là, ou en tout cas c'est compliqué d'y aller, et c'est pour ça qu'on a eu la chance d'y aller. Bonjour, alors moi je m'appelle Alexandra Azaria et je vais débuter la conclusion. Commençons par notre situation d'ambassadeur. Les ambassadeurs sont des personnes qui témoignent d'une situation et transmettent des informations à d'autres personnes grâce à un vécu qu'elles peuvent transmettre. En notre cas d'ambassadeur de Greenlandia, notre rôle consiste principalement à parler du réchauffement climatique, à sensibiliser et témoigner de la situation au Groenland, vu les changements qu'ils subissent là-bas, ainsi que prévenir sur les risques de notre mode de vie actuel. Donc, je vais vous parler de ce que nous avons fait en tant qu'ambassadeur. Notre rôle d'ambassadeur a commencé en septembre 2021 avec le festival J'agis pour ma planète, où nous avons présenté des panneaux d'exposition que nous avions réalisés l'année d'avant. Donc, dans notre rôle d'ambassadeur, nous avons fait des newsletters, comme on vous en a parlé tout à l'heure. Donc, les newsletters qui racontaient un peu notre parcours dans le projet. Il y a aussi les résumés de chaque jour pendant l'expédition. Et le mardi 7 juin, nous avons une journée, nous l'avons appelée Temps fort, où nous avons pu converser et transmettre ce que nous avions appris à des élèves du collège autour de tables rondes de l'exposition et aussi des oraux du DNB. Et le soir, nous avons accueilli nos parents et les partenaires majeurs du projet pour faire un peu la même chose que l'après-midi. Bien sûr, nous n'avons pas fait que ça. Nous avons aussi été sollicités par la radio, la télévision ou encore les journaux. Alors, ce projet qui dure depuis presque 2 ans maintenant nous a permis d'acquérir pour la plupart d'entre nous plus de confiance en soi, de la facilité à l'oral ainsi que de la maturité pour certains. Mais aussi énormément de connaissances, comme par exemple pour les énergies qu'on produit et les risques qu'elles engendrent. On a pu développer notre esprit critique, ainsi qu'observer comment les personnes qui vivent au Groenland s'adaptent face au réchauffement climatique. Grâce au projet, on a pu faire plein de rencontres, comme notamment celle de scientifiques, par exemple celle de Vincent Hiller, le directeur de Greenlandia, Xavier Boujard, le responsable pédagogique, ou encore Pierre Saint-Joffre, qui est un géologue qu'on a rencontré en quatrième.
Mais aussi celle d'Inuit, donc comme Yulut, le directeur de l'école d'Itokotamit, où on a passé la majorité de notre temps. Les élèves groenlandais qui nous ont énormément marqués. Inuta, le plus grand chasseur du village qu'on a pu rencontrer pendant notre expédition. Donc, bref, on a réussi à s'ouvrir à une culture différente de la nôtre. On a ainsi pu créer des souvenirs dont je suis sûre on se rappellera pendant un bon moment. Donc, bien sûr, le projet ne s'arrête pas là, car nous continuons. Donc, par exemple, le 4 juillet, nous irons au Muséum d'histoire naturelle pour pouvoir étudier et observer la collection de roches du commandant Charcot. Et ensuite, nous irons visiter sa maison. L'année prochaine, même si nous sommes en seconde, sur la base du volontariat, nous pourrons participer au Festival des sciences ou au Festival de J'agis par ma planète. Et bien sûr, il y aura aussi l'accueil des élèves groenlandais qui viendront en France l'année prochaine aussi. Et grâce à ce projet, peut-être que des élèves choisiront un métier en lien avec celui-ci. Merci. Bien, bonjour à tous. Je suis Madame Beck, la principale du collège. J'ai la chance d'avoir des élèves ainsi dans mon établissement. Bravo les élèves. Encore une fois, je suis très fière de vous. Vous avez donc pu découvrir ce beau projet d'envergure sur 2 ans et aussi cette expédition scolaire. Vous avez pu mesurer aussi, je pense, l'impact bénéfique sur nos jeunes qui sont nos futurs citoyens et aussi qui feront notre monde de demain. Donc, je remercie sincèrement au nom de l'équipe. Excusez-moi, je vais souffler. C'est pas grave. Je remercie sincèrement au nom de l'équipe le département d'Ille-et-Vilaine, sans lequel cette expédition et le projet aussi n'auraient pu se réaliser. En intégrant le consortium proposé par le département, on a pu constituer un dossier de financement et on a obtenu une subvention qui s'est élevée à hauteur de 63 200 euros. Donc c'était juste énorme pour que nos élèves puissent partir. Et juste une petite précision, la part famille demandée s'est élevée à 350 euros et à 250 euros pour les élèves boursiers. Voilà. Merci encore Madame Bourdet pour votre accompagnement dans ce dossier, hein, qui est chef de projet consortium au département, et à Monsieur Marangoni aussi, qui porte devant vous toutes nos demandes de collège en action pour financer nos projets. Encore merci à vous pour le soutien technique et le soutien financier. Merci. Si vous avez des questions, je pense que nos élèves se feront une joie d'y répondre. Merci. Tout d'abord, toutes nos félicitations. On est à la fois heureux et fier d'avoir pu aussi contribuer à rendre ces choses possibles. Et je voulais remercier, bien sûr, les élus départementaux qui ont suivi le dossier, mais toute notre équipe également de la direction des affaires éducatives et de l'accompagnement des projets qui a été pleinement mobilisée. Mais quand on voit ce magnifique résultat dans toutes ses dimensions, opérationnelles, mais aussi richesse humaine, et c'est peut-être cela au final qui restera le plus important d'avoir pu vivre cela, vous avez vraiment fait le tout meilleur usage possible et ça nous crée bien sûr, nous donne l'envie de continuer à accompagner des projets de cette nature. Nous avions eu des temps d'échange dans cette assemblée, je crois que la démonstration est faite. Aller à la découverte d'autres et notamment de personnes qui parlent tout simplement une autre langue, eh bien c'est quelque chose d'irremplaçable. Alors, est-ce qu'il y a parmi les collègues de l'Assemblée des collègues qui souhaiteraient intervenir pour poser telle ou telle question? Alors, Madame Comocoli, Madame Mestri, dans le contre-jour, oui, Monsieur Guéret. Alors, dans cet ordre, Madame Comocoli. Bravo aux élèves, bravo à tous les encadrants. Merci beaucoup, c'est vraiment une expérience incroyable. Moi, j'étais très émue. J'avais quelques questions pour les élèves, mais avant tout, je voulais vraiment les féliciter parce que là,
Ils nous ont donné, à nous les adultes, une belle leçon sur la question du changement climatique, qui est leur avenir à eux. Je pense que c'est eux le meilleur ambassadeur, mais je pense que nous les adultes aussi, on a vraiment des efforts à faire parce que la sauvegarde de la planète, c'est vraiment un vrai problème. Moi, ma question, c'est sur la langue, parce qu'il y a un jeune qui a parlé tout à l'heure un peu des efforts, la différence. Comment ça s'est passé, la rencontre avec les autres collégiens? La langue sur place que vous aviez utilisée, c'était laquelle? Et puis votre ressenti un peu, toi, pour la première fois. Merci. Qui a posé la question? Okay. Je m'appelle Régine Komokoli. Enchantée. Donc, on communiquait avec les gestes, puisqu'ils n'étaient pas très forts en anglais, puisque ce n'est pas la langue qu'ils étudiaient le plus, à vrai dire. Et ils n'étaient pas très forts en anglais. On communiquait avec les gestes. Mestri, qui avait une question? Je vais juste compléter la petite réponse d'Abou Taleb. En fait, alors, il les trouve pas très forts en anglais, mais je vous rappelle, les élèves, que vous faisiez moins les malins à la première visio avec les Groenlandais, parce que vous étiez pas très sûr non plus de votre niveau d'anglais. Il faut rappeler quand même qu'au Groenland de l'Est, donc à Itokotormit, ils parlent le Groenlandais de l'Est, qui est pas le même que le Groenlandais de l'Ouest, qui est un peu la langue officielle du Groenland, puisque la capitale Nuuk se trouve sur la côte ouest. Ils parlent également le danois, puisque le Groenland est sous autorité danoise. Et donc, l'anglais, c'est leur LV4. Donc, ça explique un petit peu pourquoi nous, on n'a pas tellement à rougir de notre niveau d'anglais par rapport à eux. Les élèves avaient un petit lexique de Groenlandais de l'Est, hein, donc avec les expressions les plus courantes. Donc, voilà, au début, ça a permis les échanges. Comment tu t'appelles? Merci, bonjour. Enfin, voilà, ils arrivaient à le dire en Groenlandais de l'Est. Hein. Et puis, ils ont utilisé l'anglais quand même pour échanger. Et c'est vrai qu'il y a le langage non-verbal aussi qui fonctionne très bien entre nos jeunes. Voilà, ça a été compliqué, mais ça n'a pas été une barrière totale. Donc, match nul, un partout, si je comprends bien. Alors, Madame Mestri. Oui, merci. Alors, tout d'abord, un commentaire, si vous me le permettez. Partir en voyage scolaire, c'est toujours une aventure. Mais là, vous n'êtes pas parti en voyage scolaire, vous êtes parti en expédition scolaire. Et cette expédition a commencé bien avant votre départ, par la rencontre virtuelle à distance d'une culture différente, des gens qui vivent dans un pays complètement différent en géographie, mais aussi qui ont là aussi une langue très différente. J'ai souligné votre aisance à prononcer quelque chose que j'ai noté quasiment en phonétique. Itokotormit, je l'ai bien ? J'ai bon ? Merci. Quand on l'avait lu, j'avoue que je me demandais dans quel sens ça pouvait se prononcer. Et quand je vous ai écouté, je l'ai noté, parce que je me suis dit, là, j'arrive mieux à savoir comment ça se dit. L'expérience que vous avez vécue est sensationnelle. Je cherche les mots. Je vous remercie et je vous félicite pour votre aisance à vous exprimer ici. Ce n'est pas toujours facile, même pour nous, élus, adultes, de s'exprimer devant cette assemblée. Vous avez fait preuve d'une très grande aisance, je vous en félicite. Alors, dans les marges de progrès que vous aviez signalées, la maturité, mais alors l'expression, alors là, n'ayez pas peur pour le grand oral au bac, vous êtes déjà passé par la case assemblée départementale, ça devrait le faire fastoche. Alors, la difficulté, c'était de s'exprimer face à nous et de garder aussi, vous avez gardé votre sérieux et votre, un niveau de vocabulaire tout à fait correct, alors que l'expérience que vous avez vécue pouvait honnêtement nous amener à dire « c'était sans ça, c'était génial ». Et personne n'a dit ces mots-là, alors que franchement, c'est une expérience mais de ouf, quoi. Pour le dire clairement, c'est vraiment une expérience qui nous donne envie, nous, enfin, je ne sais pas, collègues, comment vous l'avez vécu, mais alors on regrette les années collège. Si c'est ça maintenant, être collégien, moi, je repars tout de suite, hein. Pourtant, je n'ai pas trop aimé. Hein. Enfin, bon, ce n'est pas la période comme ça que j'irai. Voilà. Alors, puisque vous avez appris quelques mots en groenlandais de l'Est, ou de l'Ouest, je ne me rappelle déjà plus. De l'Est. Un ou deux mots, s'il vous plaît. Bonjour, c'était Hey. C'est un peu pareil. Mais.
Il y avait Royana, ça veut dire merci, je crois. Et il y avait Ititu, ça veut dire bienvenue. Déjà des bonnes bases. Et se lever à 5h40, des fois, ça en vaut la peine. Je complète un petit peu parce que bah, nous, les enseignants, les élèves, on les connaît depuis longtemps. Et je rebondis sur ce que vous disiez pour effectivement vous dire que cette aisance à l'oral, eh ben, ce n'était pas gagné en début d'année dernière et qu'ils ont vraiment fait des progrès hallucinants. Julie, on peut en parler, hein. Enfin, de ta première expérience d'ambassadrice, ça avait été compliqué. Je peux citer Elisa aussi, qui maintenant nous fait des interviews radio de folie, alors que l'année dernière, on ne l'entendait pas du tout, hein. Donc vraiment, vous pouvez vraiment être fiers de vous, les élèves, vous avez fait d'énormes progrès. Bravo. Alors, Monsieur Guéret avait aussi une question, je crois. Alors, pas une question, parce que je suis déjà intervenu, j'ai déjà posé la question, mais tout une question. Alors, moi, je ne vais pas prononcer le nom de la ville, hein, parce que j'y arrive toujours pas. Voilà. Ikoto, voilà. Vous me ferez un cours de rattrapage. Itok. Ouais, c'est pas mal, Itok. Non, mais juste redire que vous avez vraiment participé à un projet humain. Un projet écologique, un projet collaboratif, un projet pour nous faire prendre conscience que la planète est en grand danger. Vous redire qu'à votre place, il y a quelques années, juste quelques années, j'étais sur le même banc du Collège de Fontenay, où j'ai aussi participé à un projet un peu fou, comme vous l'aviez dit, Madame la proviseure, un projet un peu fou, un projet solidaire qui s'appelait Solidarité Mopti, voilà, qui nous a permis aussi, pour certains élèves, d'aller jusqu'à Mopti à la rencontre de nos pères collégiens. Un projet qui nous permet, en tout cas à moi, en tout cas, qui m'a permis de grandir, qui va vous permettre aussi à vous de grandir et certainement de trouver une vocation. J'ai entendu parler la semaine dernière d'ingénieur. Et puis moi, j'ai parlé de, pourquoi pas, de politique. J'espère que l'un d'entre vous, dans quelques années, sera à ma place, à notre place, et avec ma collègue Cécile Bouton à côté. Rihanna, à vous tous, grand merci aux élèves, grand merci aussi à toute l'équipe éducative, parce que sans l'équipe éducative, sans une direction solide, sans des professeurs qui investis comme jamais, eh bien, un projet comme ça ne pourrait pas voir le jour. Faites-nous rêver, voilà. Envolez-vous et puis belles vacances, il va faire chaud en plus. Belles vacances à vous. Merci encore. Alors, j'ai encore une question, Madame Roger Moigneux. Oui, merci beaucoup. Merci à tous. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit par mes collègues et que je partage. Bravo à chacune et à chacun d'entre vous pour ce beau projet. Alors, je vais avoir deux questions. Vous nous avez sensibilisés et vous avez été sensibilisés à l'enjeu, vous l'avez dit, majeur et important du réchauffement climatique. Je voudrais vous demander ce que vous avez perçu là-bas sur ces enjeux-là de réchauffement climatique. Avec quoi vous revenez ici chez nous? Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie aujourd'hui de jeune? Avant que vous arriviez dans la session, on a beaucoup parlé de jeunesse, d'enfance. Et on a pu dire qu'aujourd'hui, on avait un enjeu majeur de changement et qu'on mesure que vous avez beaucoup de choses à nous dire et à nous apprendre, y compris nous, élus, sur ces enjeux climatiques et de préservation de notre planète. Donc voilà mes questions. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite y répondre ou l'une d'entre vous? Donc, quand nous sommes allés là-bas, on a beaucoup remarqué en fait que ils le voient, le dérèglement climatique, mais ça, ils ne changent pas leur mode de vie pour autant. Par exemple, dans le village, on était les seuls à se balader à pied. Ils se baladaient tous en motoneige ou en quad. Aussi, les déchets. Donc, il y a des déchets par terre comme chez nous, mais ils se voient encore plus avec la neige. Et à un moment, on a même voulu faire une marche verte, comme on avait fait à Chartres de Bretagne, ramasser des déchets, mais on nous a dit que ce serait peut-être mal vu
de faire ça, qu'ils le prendraient peut-être mal. Pour notre mode de vie, moi personnellement, je fais très attention à ce que je fais chez moi, donc je fais attention au tri, à des choses comme ça. Merci beaucoup. Julie, pour la petite histoire, Julie qui vient de s'exprimer là devant le micro, elle en a marre que je raconte ça à chaque fois, mais c'est vrai. Elle est surnommée Greta par ses parents, donc je pense que elle a quand même des choses à dire à la maison. Et je reviens juste sur cette histoire de changement climatique, hein, qui était le thème de ce projet. Comme ils voulaient exposer, on a été visiter la station météo au Groenland. Des stations météo, il y en a 500 dans le monde. Ils étudient les conditions atmosphériques. Ce qui est inquiétant, c'est que ce changement climatique, ça va très vite, hein. Et en fait, il y a plein de facteurs qui se cumulent, hein. Ce qu'ils constatent au Groenland, c'est des écarts de température qui sont énormes. L'été dernier, il a fait plus 23 degrés Celsius à Itokotormit, température qu'il n'avait jamais atteinte. Et cet hiver, la température a été extrêmement basse, hein, au-delà des moins 30 degrés Celsius. Donc, c'est vraiment ces écarts de température, des phénomènes de fréquence de tempêtes qui sont des tempêtes qui sont bien plus importantes, plus rapprochées. Voilà, c'est tout ça. C'est tout ça. Alors, eux, ça se traduit dans leur quotidien, par leur mode de vie, hein, qu'ils doivent changer, ils doivent s'y adapter. La chasse est profondément modifiée, les ours polaires rôdent de plus en plus autour du village. Voilà des choses concrètes qu'ils observent. La banquise se forme tardivement. Ils ont vraiment eu peur cette année et finalement, elle s'est formée fin octobre 2021 et elle a été très très épaisse cet hiver. Voilà, c'est tout ça le dérèglement climatique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est observable, dont on doit tenir compte, hein, et pour lequel on doit vraiment lutter de toute urgence et nos jeunes en sont conscients. Et voilà, et on a de l'espoir. Merci beaucoup pour ces témoignages que nous avons eu plaisir à accueillir dans cet hémicycle, parce que je pense que c'était aussi pour nous une façon de rendre hommage très publiquement et de façon un petit peu solennelle à ce travail, alors qui est une illustration aussi d'autres opérations, expériences qui vont se développer dans ce territoire et qu'on aura bien sûr un plaisir à accompagner. Mais à nouveau, un grand merci bien sûr à toutes les collégiennes et les collégiens qui se sont impliqués. Et c'est aussi important de montrer que dans un projet de cette nature, il y a ceux qui vont aller, il y a ceux qui vont s'organiser dans la base arrière, mais que ces différentes composantes, elles sont toutes interdépendantes et qu'il faut que chacun, à la bonne place, apporte sa contribution au projet. Et c'est ce que vous avez su faire. Remercier bien évidemment la direction de l'établissement, l'ensemble de l'équipe éducative qui n'a compté ni son temps ni son énergie pour permettre tout cela, les équipes du conseil départemental aussi. Et je crois que cette mobilisation permet ce genre de choses, mais que c'est pour nous aussi, je dirais, un investissement éminemment productif, productif des éclairages que vous nous apportez, de votre contribution à des prises de conscience plus collectives et par des choses extrêmement concrètes. Donc vraiment, merci à vous. Puis je crois que vous avez un quart qui vous attend. Donc en tout cas, ça a été un plaisir pour nous. La jeunesse va nous donner congé. Eh bien, je vais proposer à nos collègues qui, eux, peuvent faire état d'une expérience avérée des choses publiques, eh bien, de nous rejoindre pour la tenue de leur assemblée générale. Donc, ils sont déjà nombreux et ils ont écouté avec beaucoup d'attention aussi ces propos. Donc, je les invite à nous rejoindre. Et bien sûr, tous les conseillers départementaux siégeants sont invités à rester à leur côté. Bien évidemment, je rappelle qu'il y a également un temps d'échange convivial autour du repas qui suivra.
Voilà. Donc, vous avez tous reçu également ce petit livret des chiffres clés du département. Je crois que c'est un travail toujours intéressant avec des actualisations régulières. C'est à la fois didactique et simple. Donc, je remercie aussi nos équipes qui ont su faire le nécessaire pour que ce soit disponible en temps et heure. Mais bon. Oui, ben, oui, je suis ça dans la presse. Oui. Mes chers collègues, s'il vous plaît, si vous voulez que l'on puisse passer à la séquence suivante, pas trop tard, il serait important de réserver le temps nécessaire à la partie plus institutionnelle. Comment vas-tu, Vincent? Ah. Et vous êtes plus dissipé que les collégiens que l'on vient d'accueillir. Ah, pour mettre de la discipline. Bien, je vous propose regagner vos places, s'il vous plaît, que l'on puisse démarrer. Monsieur, bonjour, je viens de vous entendre.
Bien, mesdames, messieurs, je suis très heureux d'accueillir votre association et son président Frédéric Beignat à mes côtés, toujours accompagné de son fidèle trésorier. Je ne sais pas ce qu'ils auront à nous dire, mais je crois que le trésorier m'a dit qu'il n'était pas particulièrement anxieux avant de présenter son rapport, mais il devra néanmoins s'astreindre à cet exercice. Juste pour vous redire que pour nous, conseillers départementaux désormais, vous, certains conseillers généraux, d'autres conseillers départementaux selon les époques de référence des uns et des autres. On est toujours très heureux de vous accueillir pour cette séquence particulière. Alors une séquence, bon, nous avons ce matin réussi en travaillant, je dirais de façon cadencée, à conclure notre ordre du jour et notamment avec l'adoption de notre compte administratif 2021 et de notre première décision modificative, c'était des moments importants. Et puis, comme certains d'entre vous ont pu assister, s'il vous plaît, certains d'entre vous ont pu assister à cette présentation des collégiens du Collège de Chartres de Bretagne qui ont vécu, je crois, quelque chose de tout à fait exceptionnel et pour lequel le Conseil départemental avait eu un rôle d'accompagnement, de tutorat. Et bien évidemment, quand on voit la richesse de ce qu'ils nous ont apporté, cela ne peut que nous encourager aussi à poursuivre et accompagner des initiatives de ce type. Alors, sans plus attendre, je passe la parole à votre président pour lui laisser le soin de dire tout simplement ce qu'il a envie de vous dire. Ah bah oui, c'est... Oui, merci Jean-Luc. Merci donc de nous accueillir tous les ans dans cette salle de l'Assemblée que nous avons fréquentée, voici 20, 30 ans, parfois 40 ans. Vous étiez peut-être même pas encore au collège lorsque nous siégeons ici. Donc, c'est la roue qui tourne. Chacun, on prend ses responsabilités le moment venu. Donc, merci de se retrouver. D'un coup, l'Assemblée a vieilli, puisque les collégiens sont partis, les vieux sont arrivés. Voilà. Bon. Alors, notre association se porte bien. Le trésorier va vous le dire. Je vais même trahir déjà un peu un secret. Nous avons fait un excédent de 10 euros pour l'année écoulée. Formidable. Merci. Et puis, où est notre expert comptable? Ah, voilà, voilà, je ne vous voyais pas. Bon. Merci. Donc, on verra si c'est tout à fait à jour. Hein. Voilà. Alors, au préalable, je voudrais vous citer les anciens collègues qui n'ont pas pu assister à notre réunion et qui ont demandé de bien vouloir les excuser. Il s'agit de messieurs Benoît, Billard, Bissonnier, Dagorn, Coué, de madame Dossé et madame David, de messieurs Haineux, Fantou, Fauvel, Hubert, Lahogue, Lefebvre, Lemaine, Jean Madelin, qui est notre doyen à tous, ancien maire de Fougères, qui a largement plus de 90 ans. Il doit friser les 100 ans, je pense. Hein. C'était lui qui tenait les finances quand je rentrais dans cette assemblée en 82, et je peux vous dire que c'était serré. On surveillait tout au franc près. C'était pas aux 10 euros, là, c'était au franc près. Ensuite, Jean Malaperre n'est pas là, ainsi que M. Massieff du Biest, Mme Massot, M. Meignery, Ostorero, Travers et Vigour. Je vais donc donner tout de suite la parole à notre trésorier, parce que je sens que le suspense est au maximum, et il va pouvoir vous indiquer où nous en sommes. Donc, Pierre Renaud. Merci, M. le Président du Conseil départemental. Merci, cher Président. Bon, eh bien, la recette, elle est de 194 842 euros en 2021. Tiens, il manque le 1, là. Et cette recette, c'est une subvention qui nous est versée par le Conseil départemental. Les dépenses, nous les faisons tous les ans en quatre trimestrialités. Autour de 44 000 euros par trimestre, premier, deuxième, troisième, quatrième, ce qui fait un total de 173 653 euros de versés, vous voyez, sur une subvention de 194 842. Les charges sociales sont de 16 783 euros, ça représente donc presque 8
9% du montant. Donc, le principal actionnaire ou bénéficiaire, disons, de cette subvention, Monsieur le Président, c'est l'État. Sans parler que, comme chacun touche un petit peu, ça s'ajoute à ses revenus. Donc, je ne parle pas de la CSG personnelle et voire de l'impôt sur de l'IRPP qui peut s'ajouter personnellement à chaque contribuable. Le commissaire aux comptes, quant à lui, il a 1172 euros. Et la mise à disposition de l'agent, notre secrétaire Christine, pour la secrétaire Christine, 3224 euros. Ce qui fait bien un total de dépenses pour l'année 2021 de 194 832 euros. Et le nombre de bénéficiaires à la retraite au 31 décembre était de 41. C'est ça. Voilà. Donc, il faudra approuver ces comptes faisant apparaître un excédent de 10 euros. Voilà, Monsieur le Président, à mettre à l'approbation de notre... Je ne sais pas, il faudrait peut-être que vous constituiez une commission spéciale pour décider de l'affectation des 10 euros. Bien, merci Pierre. Donc, je donne la parole à Madame Dary du cabinet GEREC. Alors, je donne une précision au préalable. Il ne faudra pas l'année prochaine penser à soumettre les candidatures de cabinet parce que votre intervention arrivera à échéance sur l'année 2023, je crois. Donc, il faut prévoir un an à l'avance, sans doute. Non ? Non, il n'y a pas besoin. Vous pourrez statuer sur le renouvellement ou non du commissaire aux comptes lors de l'Assemblée générale qui aura lieu en 2024 et statuant sur les comptes 31 décembre 2023. Très bien, merci. Donc, on fera ça le moment venu. Donc, je vous donne la parole pour nous dire ce que vous avez fait dans votre travail pour vérifier si ces comptes sont sincères ou non. Ah non. Alors, à l'issue de nos travaux, nous avons effectué donc l'audit des comptes de l'Association amicale des conseillers généraux et départementaux d'Ille-et-Vilaine, relatif donc à l'exercice le 31 décembre 2021, et tels qu'ils sont joints donc à notre rapport et tels qu'ils ont été exposés par Monsieur le Trésorier. Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Pour réaliser ces travaux et pour fonder notre opinion, nous avons analysé le point 4 de l'annexe des comptes annuels, qui expose que votre association a reçu au titre de l'année 2021 une subvention de la collectivité départementale de 196 130 euros, destinée à financer les pensions de retraite reversées sur cette même période, au profit des conseillers généraux et départementaux bénéficiaires répondant aux conditions de versement. Alors, je vois tout de suite, pour ceux qui ont suivi, ou pour au moins le trésorier, qu'il constate un écart entre ce qu'on mentionne dans notre rapport de 196 130 euros et ce qu'il a exposé au niveau des subventions reçues. C'est parce qu'il y a une petite subtilité depuis le changement de méthode sur le versement de la rémunération de Madame Baudet. Et donc, une fois que le calcul est réalisé en fin d'année, la subvention n'est versée que l'année suivante. Donc, nous avons un petit écart qui s'explique par cette variation entre les subventions à recevoir entre les deux exercices. Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Et nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier du président et dans les autres documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels. Donc voilà pour notre rapport sur les comptes annuels. Et quant au rapport sur les conventions réglementées, nous vous informons qu'il ne nous a été donné d'avis d'aucune convention nouvelle autorisée au cours de l'exercice et à vous soumettre à l'approbation de l'Assemblée. Au titre de l'article L612-15 du Code de commerce. Très bien, merci Madame Dary. Avant de soumettre à votre vote l'approbation ou non des rapports,
Je voudrais vous donner quelques informations. D'une part, depuis l'année dernière, on a, après le renouvellement, constitué un nouveau conseil d'administration et bureau. Ça a dû vous être signifié, mais je tiens à vous le préciser quand même. Donc, j'ai été renouvelé comme président. Madame Duguay-Pérou Honoré est vice-présidente de notre association. Monsieur Renaud conserve la situation de trésorerie, nous voilà rassurés. Monsieur Préauchat, que j'ai vu, est là, assure le secrétariat, et c'est une tâche très lourde. Heureusement qu'il est secondé par Christine Baudet, et j'en profite pour remercier Christine pour son bon travail, qui nous est très précieux. Merci, Monsieur le Président, de la mettre à disposition, ce qui est prévu dans nos conventions. Et puis, les administrateurs sont Madame Dogan, qui est là-bas, elle a retrouvé une place, bravo, merci Marie. Également Monsieur Lemoyle, qui participe très régulièrement à nos réunions. Et puis également Monsieur Morazin et Monsieur Potrel, que nous n'avons pas vus souvent jusqu'alors, mais nous ne désespérons pas pour l'avenir. Bon, soyez rassurés, il n'y a pas beaucoup de réunions. Voilà. Une information un peu plus sérieuse maintenant. Vous avez constaté donc que les membres se réduisent d'année en année. Nous avons actuellement donc 41 bénéficiaires. Puisque nous prenons tous les ans, comme vous d'ailleurs, mais chez nous ça marque plus, une année de plus tous les ans, et il y en a beaucoup qui frisent ou dépassent les 80 ans, voire certains beaucoup plus. Ce qui veut dire que nos capacités vont aller se réduisant. Je ne parle pas des capacités physiques, mais des capacités intellectuelles. Donc, un jour, nos compétences ne seront même plus capables d'assumer ce genre de choses. Or, le département ne peut pas gérer une association qu'il finance. Ça serait de la gestion de fait, c'est tout à fait impossible. Donc, la question se pose dans tous les départements de France. Et nous avons été interrogés par le président de l'association correspondante de la région Île-de-France. Nous lui avons répondu et on réfléchit, et eux aussi, on se retrouvera peut-être à plusieurs, pour soumettre éventuellement au Parlement une modification d'un texte permettant au département de gérer la fin de ces associations, parce que dans 10 ou 15 ans, il y aura encore quelques bénéficiaires, on peut l'espérer, mais ils n'auront plus la capacité de gérer véritablement l'association. Voilà. Donc, je voulais vous informer de cela. C'est en cours de réflexion. Nous allons avancer là-dessus. Nous vous tiendrons informés pour les années suivantes. Voilà. Donc, maintenant, avez-vous des questions à poser avant que je soumette au vote ? Non, je sens que vous avez beaucoup de questions, mais que la faim vous tenaille et que nous allons pouvoir passer en conséquence au vote. Donc, est-ce qu'il y a... Alors, je vous soumets d'abord le rapport financier. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions ? Donc, je considère que c'est adopté à l'unanimité. Merci. Et en ce qui concerne le rapport moral, dois-je faire la même constatation ? Apparemment, oui, personne ne proteste. Bravo, merci de nous avoir fait confiance. Et merci, Monsieur le Président, de nous inviter au repas qui va suivre. C'est toujours un moment de convivialité que tous les anciens que je vois ici ou là apprécient particulièrement. Merci. Bien, je vois que les uns et les autres, vous n'avez pas perdu le sens de la prospective et du temps long si vous en êtes déjà à envisager des moments où il serait difficile d'assurer la plénitude de la gestion, parce que je ne vois devant moi que des hommes et des femmes alertes, mobilisés dans la plénitude de leurs capacités et donc disposant de perspectives de longévité tout à fait remarquables pour continuer à agir dans ce domaine. Alors, ce matin, nous avions, nous, le sentiment d'avoir été relativement compact et efficace, mais vous venez de faire la démonstration que nous avons encore de marge de progrès par rapport à vous. Bien, on va pouvoir lever ce temps et donc maintenant passer à ce moment traditionnel et plus convivial qui
appel à un transfert vers le foyer. Donc à tout de suite. Je vous précise que nous tenons à disposition de tous les participants, alors que ce soit des conseillers départementaux en exercice ou anciens, un ouvrage pour chacun. C'est une compilation de cartes postales anciennes de chacune des communes d'Ille-et-Vilaine. Donc n'hésitez pas, il y en a un pour chacun d'entre vous. Régine, tu manges là?